pas mal. Oh, j'ai envie de bien aller. I want to. Ah non, I want to gagner, hein. Tu m'entends là? Je suis un peu faible sur ma voix. Oh, ça va me vénère. Alors attends, 1, 2, 1, 2. Ma voix. Mais putain, j'ai rien changé, bordel à cul de putain de pompe. Bah oui. Il est où, voice mode? Voice mode. Il tourne même pas, voice mode, donc c'est même pas lui qui fout la merde. Je comprends rien. Plus je touche de trucs, moins ça va. Plus j'enlève des trucs, moins ça va. C'est fou, coucou Choquel. Excusez-moi, du coup, mais je vois que quand je lance le live, ça, forcément. C'est pas drôle. Vérifie que d'entrée. Bah, il y en a qu'un. Voilà, je peux pas. On adore faire ça, de toute façon. C'est là pour ça. Durée, propriété. Écoutez, niveau. 11. Ah là, voilà. Et là, je vous défonce les oreilles. Ah là. Bah ouais. Bah ouais. Et là, je suis fort. Ah, je suis fort. Alors, du coup, je descends. Je mets 85. Voilà, il était à 11. Pourquoi il était à 11, je sais pas. C'est trop? C'est trop encore? C'est... La duchesse qui dit ta gueule. D'accord. Ok. Et là, c'est mieux. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, nickel. Merci. De toute façon, je vous ai jamais aimé. Hey. Enlève pas mon serre-tête. Elle m'a enlevé mon serre-tête. J'ai pas Bah déjà, je te permets pas de dire que j'ai des cheveux ou pas. C'est à toi de juger. Si je me considère comme un meilleur des cheveux, nique-toi. Hop, donc là, c'est bon. Toi, tu vas le taper. Capture audio. Non, mais il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son du Discord. Putain, je pète un câble. J'ai envie de quitter cette vie. Mais oui, je veux quitter la vie, frère. Je n'en peux plus. J'ai rien touché. Mais je me casse. Je pars loin, en fait. Je veux partir loin. Même si je retrouve plus mon chemin, mec, je veux partir loin. C'est pas une chanson, ça? Je veux ne jamais me retourner. Je veux partir loin. Tu vas trop écouter, hein, dans la parole. Mais oui. Mais c'est pour toi, Pollux. Elle est spéciale pour toi. Je sais que personne n'a la ref, mais moi non plus, j'ai pas la ref de pourquoi j'ai pas le son du bureau. Putain. Audio du bureau haut-parleur. Je peux pas faire mieux. Vas-y, parle. Mais j'ai rien qui bouge, frère. Moi, quand je parle, ça bouge dans capture audio. Mais capture audio, c'est pas ça. Capture audio, casse-toi. Pourquoi tu... Je suis désolé. Hein. Désolé, mais du temps qu'on vous entend pas, moi, je lance pas de stream. Parce que là... Filtre, propriété, haut-parleur, utiliser le redatage, je m'en fous, casque, et là, normalement, oui. Vas-y, parle. Du coup, faut qu'on parle. Voilà, merci. Yo. Et là, on vous a là, jeté. C'est moi, personnage principal, bonjour à tous. Oh, t'enflamme pas. Okay, t'enflamme pas. Et là, il y a la musique et là, il y a tout. Oh. De quoi? Il n'existe pas. Serre-tête pour chauffe, ça n'existe pas. Elle, de toute façon, je vais la frapper en live. Comme ça, vous pourrez appeler les flics. Vous aurez des témoins. La serre-tête pour chauffe, ça n'existe pas, bien sûr. Waouh. Pas besoin d'avoir des cheveux pour avoir la serre-tête, je suis désolé. Est-ce qu'il tient? Oui. Bon, bah alors. Du coup, c'est bon. Là, on entend tout le monde. Oui. Donc, ça, c'est bon. Et normalement, vous entendez le chat aussi. 5 sur 5. Nickel. Merci, Choquel. Merci, Rodagald. Il y a des gens efficaces sur ce chat. Remets mon serre-tête et on est parti. On le voit pas, mais si on le voit. Je voudrais faire un serre-tête avec des cheveux. Genre une mèche comme ça. Serre-tête à franc. Alors on part pour un résumé de séance. Comme ça on n'entend plus la merde qu'il y a autour. Tu veux pas un serre-tête à franc? Voilà. T'as, je préfère... wow. Tu vois pourquoi je préfère faire un malaise que de l'écouter, frère. Ouais, donc du coup, attends, parce que j'ai pas fini. Du coup, machin, je m'assois, je me fais engueuler. Ah, oui, de là, je m'assis, je m'assois, bah, du coup, par terre, sur mon tapis de bain, hein, comme ça, d'accord. Normal. Et je me suis assis, et là. Elle part, elle me laisse tout seul, frère. J'étais comme ça, en train de faire le point sur ma vie. J'ai vu le mur, j'ai fait, toi, t'es un oreiller, toi. J'ai mis ma tête, j'ai fait qu'un avec le mur, mec. Ma tête était tellement lourde, j'ai l'impression que j'étais devenu le mur. Et après. T'étais bien? Bah, attends, parce qu'après, vu que j'étais tout seul toute la journée, tu sais, comme Pollux, quand je suis seul longtemps, j'ai envie de parler. Tu vois, un peu comme là, maintenant.
Tu vois. Tu vois. Et du coup, j'avais un peu envie de parler parce que je suis pas fait pour être seul et être dans l'angoisse. Donc là, elle est revenue. J'ai commencé à lui dire de la merde et ça me bourdonnait à l'arrière de la tête, mec. C'est mon troisième malaise dans ma vie. Vraiment, c'est un bonheur. Je suis content d'avoir vécu ça et de m'être fait engueuler, d'avoir fait un malaise. Donc vraiment un bonheur. Non, on n'aura jamais sa version. Du coup, tout ce que j'ai à dire. Mais c'est pour ça que t'écris bien des passages un peu tarés et tout, parce que t'es taré en fait. Voilà, donc on fait un résumé de séance. Et il y a aucun sketch dans tout le JDR. Il y a aucun jeu d'acteur, c'est que moi, en fait, les gars. En fait, t'es juste fou, je suis juste moi, frère. On est juste même pas en fait. Je me suis pris la tête avec Clem, c'était le meilleur moment de ma vie. J'ai trop kiffé me prendre la tête. Et en plus, elle a réussi à retourner ça. C'était magnifique. Je me suis dit, c'est pour ça que c'est crédible. J'ai perdu donc. C'est crédible. Je vais faire ça, t'appelles Clem régulièrement. Puis tu prends ta tête. Tu vas être tranquille en fait. Non, parce que Clem est gentille, elle se prend pas la tête, elle m'empoisonne, c'est sûr, j'aurais pas le temps. Je me prends la tête avec personne. En exactement, on n'a pas le temps, on meurt tous. Bref, alors, du coup. Un malaise, la tête dans une baignoire. Paf, la tête. Mais qu'est-ce qu'elle... Mais elle est toujours pas partie, celle-là. Putain, qui peut... Paf, la tête. Sécurité, paf, la tête, putain, on va... C'est quoi, ce sera le titre du stream, paf, la tête. Paf, la tête. Oh, j'en ai marre. Ouais. Bon, alors, résumé de séance, il vient ou il faut payer quelqu'un? Attends, mais excuse-moi, il y a un mec qui me dit paf la tête, excuse-moi mec, désolé en fait. Bon, paf la tête. Alors du coup, on était en prison, voilà, Benjamin et moi, on était en prison, on discutait avec Mortepelle, pendant que la duchesse était en train de s'engueuler avec son mec. Son c'est bien résumé la séance là. Avec son cum. Avec son cum en fait. Voilà, donc je sais plus si on avait expliqué tout dans les détails à Mortepelle, mais on lui a expliqué vaguement. On lui a expliqué aussi, on lui avait expliqué, bah ça de toute façon on te racontera après. On lui a expliqué d'où venait l'histoire de Benjamin qui lance des cailloux. On lui a expliqué ouais. D'où ça venait. Et apparemment, on a appris que en plus il y avait des gardes qui répétaient ça entre eux. Et Mortepelle, elle est tabassée parce que du coup pour elle, eux disaient n'importe quoi. Oui. Du coup, les pauvres ils se faisaient tabasser. Et quand elle a appris que c'était vrai, du coup tous ceux qui sont fait tabasser, ils sont pris 3 jours de congé parce que voilà, c'est gentil. C'est gentil. Wow. Ouais, elle a offert 3 jours de congé à ses frais. Donc du coup, elle a filé de la thune et tout. Elle a dit allez boire un truc, faites un truc, faites ce que vous voulez. Cassez-vous. Voilà. Je m'excuse. Ouais. Voilà. Non, elle a pas dit je m'excuse parce qu'il faut pas abuser. Oui. Mais elle a dit cassez-vous. Je suis désolé pour vous. non, effectivement, moi j'ai effectivement écouté parce que j'avais le droit, mais effectivement, Duchesse et le Duc, vous êtes engueulé quoi. Il y a eu engueulade, il y a eu. attends, c'est pas fini. Dans la prison, t'as oublié qu'il y a un quart d'heure sur la décoration de la cellule par une lucarne. Oui. En fait, Benjamin, il a c'est pas chaud été. Quel cas dit. Alors Benjamin, il a été un sup parce que tu le mens toi, il est en mode. Là, je suis pas bien là. Non, là, je suis pas bien là. Y a pas une lucarne. Y a moyen de regarder dehors. Il demande une fois est-ce qu'on peut regarder dehors. Donc le MJ lui dit non d'abord. Et après il dit d'accord, mais moi je regarde dehors. Y a toujours pas de lucarne. On a hésité à en faire construire une immédiatement. Et troisième fois, y a vraiment pas les fenêtres. Genre non mais le si tu veux, on te déplace. Hein. Genre si jamais. On change de cellule. Hein. Si t'avais demandé vue jardin, on te met où tu veux. Il fallait demander, tu vois. Portable. Tout ça. Ce à quoi au bout d'un moment, toi Duchesse, tu décides d'aller, de ce que j'ai compris, hein. Tu décides d'aller voir Mamie Irel, c'est ça? Bah oui, parce que moi, je voulais pas que l'indigne soit juste avec Mamie, sachant que sur l'île des damnés, finalement, il avait voulu plus ou moins quand même pas tuer une de mes sœurs, mais bon, récupérer un truc sur une de mes sœurs. Après, il était dans la grotte, là, je sais pas trop ce qu'il voulait faire avec une autre de mes sœurs. Là, bon, bah Mamie, quand même, bah, c'est une de mes sœurs. Donc j'avais un petit peu peur pour Mamie, en fait. Une grande famille. Hein. C'est ça. Du coup, tu sors et puis tu te fais embrouiller par des bateaux, de ce que j'ai compris. Ben ouais, parce que du coup, ils comprennent pas trop, les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mes deux bras droits? J'ai deux bras droits. Incroyable, hein. Quelle histoire. Ça marche pas très bien. Hein. Voilà, pourquoi ils sont en prison? Du coup, ils commençaient à dire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et ils ont commencé à m'encercler et tout ça. J'étais prise par la foule, je pouvais plus passer. Voilà, quand soudain les cloches, de notre point de vue, les cloches sonnent. Et donc, du coup, on s'évade. Alors, l'évasion, c'est très simple.
Grosse tartane dans la gueule et puis c'est attends, bon. Attends, Mortepin nous file des clés, donc du coup on sort de la prison. Effectivement, il y a un mec qui nous stoppe. Bon, il aurait pas dû. Et ensuite, du coup, on prend nos affaires, on fonce pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on voit effectivement que le chef, elle est encerclée. Le bon, il fait son intervention, il se met devant et tout. Il y a un mec qui se prend un coup de bouquet dans la gueule. Voilà, il y a Mirage qui arrive, comme d'habitude, des ténèbres en se mettant au combat. C'est un ninja. Bref, tout le monde est là. Le duc, il arrive, il gueule, il dit bon, tout le monde se casse. Du coup, tout le monde se casse. Et en gros, bon bah, il voit effectivement que le bon et moi, on n'est pas en prison. Et il dit que, enfin, il dit oui, bon bah, vaquez à vos occupations, puis on en parlera quoi. Voilà. Et du coup, il veut parler à beaucoup de monde. Hein. Il veut parler à nous. Il veut parler à l'indigne. Avec l'indigne là, ouais. Il veut parler même à Mirage parce qu'il dit tiens Mirage, c'est intéressant que tu sois là. T'es bien grandi, voilà. Bref, il veut parler à tout le monde. Quoi. Voilà. Nous, ensuite, on décide d'aller voir enfin Mamie IRL. On toc-toc, il n'y a pas de bruit. Du coup, j'entre. Ouais. Et là, on voit la scène. C'est. Alors, il y a des débris de verre. Il y a du liquide rouge par terre. Et il y a mon loup. Alors, on est avec le capitaine de la garde. Alors, pour le coup, mon loup, c'est là qu'il soit là parce que bah, on l'avait laissé ici. Hein. Il n'est pas là comme ça au hasard. Le capitaine de la garde décide de le tuer. Moi, je dis non. Le capitaine, il le tape. Et du coup, à ce moment-là, je crois qu'il est mort. Du coup, bah, grosse soirée, slash journée. Je m'effondre, je pleure. Ensuite, le bon utilise son impôt des mains pour guérir le loup. Ce à quoi il est soutenu aussi par Mamie Irel qui. Alors. Elle te fait mâcher un truc, c'est ça? Je me souviens plus de ça. Du sang, du coup, ouais. On imbibe de sang. Ouais, voilà, t'es mâché un truc pour avoir un peu plus de puissance. T'arrives à le ramener. Et en gros, en fait, le liquide rouge par terre, de ce que j'ai compris, ça j'ai plus trop fait gaffe, c'est pas du sang, c'est des potions qui ont été renversées, c'est ça? Enfin, je sais. Non, c'est une mare de sang pour moi. Ah non, c'était du sang. Mais c'est pas le loup qui a attaqué, enfin, mais je crois que c'est ça le truc. Ah ouais, ouais, mais c'était pas le loup qui a attaqué ou quoi que ce soit. Oui, c'était le bordel chez Mamie Irel, vu que vous avez déposé tout le monde et tout. Et elle a dû faire des choses avec la digne. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez en déduire. Oui, voilà, mais ce que je retiens, c'est que c'est pas le loup qui a attaqué Mamie Irel. Ah non, en aucun cas. Voilà. En aucun cas. Voilà. Ce à quoi on était tous morts de fatigue, tout le monde était crevé, parce que bah, je rappelle que ça faisait. Enfin, on était presque sur un 24 heures sans s'endormir là. C'est un challenge pas fou, sachant que quand tu mènes une vie à base de on tue des trucs toute la journée, c'est un peu relou. Donc là, Mamie Irel, elle nous donne basiquement des petits somnifères. Hein, et puis, bah, on s'endort. Fin de journée. Moi, je veux qu'on revienne quand même alors, sur deux trucs. Alors, un, c'est moi qui vais le faire. C'est-à-dire que l'indigne, il était chez Mamie Irel avec le loup et tout, etc. Ouais. Donc, à savoir que le loup, pourquoi il a attaqué? Parce que c'était le bordel dans la ville. Mamie avait peur, l'indigne était sorti, et certainement qu'il a dû demander au loup de garder ou quoi, ou c'est le loup qui s'est mis en bonne défense. Et le premier à rentrer, c'était toi, mais derrière, il y avait du monde. Le loup, croyant à une agression, a voulu montrer les crocs et se défendre. Et du coup, voilà. Et deuxième, moi, j'aimerais bien en savoir plus sur la discussion entre le duc et la duchesse. Bah, t'es pas là? Waouh. Wow. Même là, j'ai envie de m'excuser. Oui, donc en fait, tout le monde était là. Je suis désolé, on enchaîne. Allez. Je t'écoute. Bon, déjà, c'était. On en arrive au manoir. Mm-hmm. On mange. C'était calme. C'était très, très calme. Enfin, pas lui, parce que lui était plutôt énervé, mais il disait rien. Donc, c'est moi qui ai demandé, du coup, si mes collègues allaient bientôt revenir de prison, quoi. Ce à quoi il a dit je ne sais plus quoi, mais bref, j'étais pas contente. moi je retiens, on est collègues, hein. On n'est plus, mais on est collègues. Hein. Non, non, mais attends, c'est vraiment. Alors moi je lui dis nananina, lui il me répond blabla, enfin je m'en fous. Du coup je lui dis tu te mailles le cul, tu les sers, il me répond ni ni ni, nanana, je sais pas, je m'en fous. Et puis bon, voilà. En tout cas, il répond pas à lui, du coup ça m'intéresse pas en fait. Excuse-moi, j'écoutais pas, parce que ça commençait pas par lui. Voilà. Du coup, bon, moi, lui, il était pas content parce que bon, il avait quand même des bonnes raisons, mais on va pas s'appesantir là-dessus.
Non, il était pas content parce que bon, ben, le bon, il a quand même fait n'importe quoi. Comment ça? Faut être honnête. Faut être honnête, merci. Tu as quand même voulu tuer un monstre avec un caillou. Parce que, attends, une seconde, si on réfléchit à HRP, hein, une seconde, hein, c'est pas dans ta fiche, ça. Je rappelle quand même, hein. Ça, c'est pas dans ta fiche, hein. Y'a pas marqué, je peux utiliser des cailloux pour tuer des trucs, hein. Oui. Ouais, mais j'ai développé cette capacité incroyable. Ouais. T'avais réussi parce que t'étais chargé de la magie blanche de l'ancêtre. Or non, là, tu n'avais pas la magie blanche. Alors, qu'on soit clair, il a réussi parce qu'il a fait 1. Qu'on soit clair, voilà. Y a pas de... Enfin, ouais, genre... Certes, mais il y avait aussi que ça marchait parce que ça. En RP, ouais. C'était juste un seul caillou, Mika, ouais. Il aurait pas dit tu le one shot avec juste un caillou. Exactement. Il avait chargé le caillou avec de la magie hein, à l'époque. Okay. Ouais, peut-être bien. En fait, ça a été justifié comme ça à la base. Il n'y a rien du tout. Je lui ai dit si tu fais un, tu le one shot. Et du coup, j'ai justifié en disant que c'était une aide divine. Le caillou était chargé de magie et que du coup, il a terrassé le géant. Mais c'est juste parce qu'il fait un comme une grosse salope juste quand il faut pour niquer le game, comme d'hab. Ouais, bien entendu. Parce que pour se battre face à deux rombières, il n'y a personne. Mais quand il s'agit de one shot, des titans ou des boss, là, il y a tout le monde. One shot. Vas-y, ferme ta gueule, j'ai le nez bouché, ok. J'arrête ce live. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, j'ai aucun respect ici. Même ma femme, elle a fait one shot. Bon, je suis tous. Le golem, c'est un tic glace, effectivement. Tu utilises du caillou, c'est super efficace, il meurt, c'est tout. Merci, Choquel. Il y en a qui suivent. Ouais. Ah. Voilà. Et puis aussi parce que Jojo, bah, il avait. Vraiment mal parlé au duc. Exactement. Jojo, il a cherché la merde. Voilà. Alors bon, sur ce, bah, j'ai quand même essayé de noyer le poisson. En disant que c'était pas vrai. Enfin si, mais bon, que quand même. Et aussi... Insérer défense de femme. Oh, je comprends pas. Insérer manipulation vicieuse de femme. Je comprends pas, t'as buté un poisson, je comprends pas. Quoi? Ah ouais, non mais laisse tomber. Non, en fait j'étais assez d'accord parce que j'étais pas... Comme je lui ai dit, j'étais d'accord sur le fond mais pas sur la forme. D'accord. C'est-à-dire que vous faire emprisonner devant tout le monde, devant moi, ben ça la fout mal carrément pour vous certes mais surtout pour moi. C'est toi d'abord. Abusé, alors qu'effectivement nous tuons en scred c'est mieux quoi. Voilà. Il vous aurait puni, on va dire, mais à l'abri des regards de toute la ville, ça, à la limite, j'aurais bien voulu. Mais là, devant tout le monde, bah, ça me met carrément en porte-à-faux. Enfin, voilà, quoi, ma crédibilité. Certes. Bon, et la vôtre aussi, un peu, hein, c'est sûr. Ouais, bah, tu sais, moi, je suis plus assez prêt. Hein. Certes. Moi, je retiens certes. Ah, voilà. Et il a dit au début, il a dit non, puis finalement, il a dit ouais, c'est vrai. Ah, j'avais pas le choix! Et oui, parce que j'étais trop relou! Bah. Une meuf quoi! Une meuf! Fais du JDR avec les meufs, il disait, vas-y! Tu peux pas gagner! La meuf, elle avance des arguments! T'es obligé de plier parce que, en plus, c'est elle qui t'engueule plus fort! Tes mecs font de la merde, tu fais de la merde, tout le monde te contredit, et c'est encore toi qui dois faire! Ouais, j'avoue, je suis désolé. Surtout, effectivement, elle a raison! Trop fort! Non, elle est trop forte, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai aucune chance! Je suis nul en prise de tête, c'est tout! Non, mais voilà, c'est cool comme ça, tout le monde. Boulos. Et du coup, vous terminez chez mamie, tout ça ensemble, somnifère pour tout le monde, ça on l'a dit. Bah, tout a été résumé, je crois qu'on a rien oublié. La lucarne, bon, maintenant on va en construire dans toutes les prisons, quand où le bon s'y retrouve. Ouais, on gagne du temps. C'est pas mal ça. Ça me paraît honnête. Et puis ben voilà. Donc, messieurs, dames, oui. J'avais noté fin de séance dodo chez mamie. La suite après un gros dodo chez mamie, la digne est partie parler avec le duc. Voilà, donc vous faites un bon gros somme, c'était le matin, donc là... C'est quoi, on va aller jusqu'au lendemain matin. On fait un 24h, ouais. Ouais, on fait un 24h. Ok, bah... Vous n'avez pas dormi de la nuit, vous étiez sec et tout, vous en avez plein le cul. Bah, on va se réveiller, on va voir là, alors les gars, je vous le dis, hein, putain. Oui, c'est pas grave, ça. Ah, tu iras tuer quelqu'un ou manger. Tu es quelqu'un? Ça part. Y'a pas de problème. Bim. Petit infuchou là. Bah ouais. Bah du coup, ce que vous voulez, hein, c'est parti, on y retourne. Vous réveillez, c'est le matin, vous voyez le soleil qui est déjà levé apparemment. Et vous entendez des petits bruits. Bah c'est mamie, hein, elle n'avait pas besoin d'autant de repos. Et ce que vous constatez, c'est que bah, le capitaine de la garde, bah il est devant la porte, lui.
Il est plus dedans, il a dormi, il s'est réveillé et tout. Lui, il a pas passé 24 heures à tuer des gens ou à chercher la merde. Il est moins fatigué. Et puis, ben voilà. Moi, déjà, je constate que mon loup est en vie. Tu constates que ton loup est en vie, effectivement, il est toujours en train de dormir sur toi, et tu constates que aussi bien ton ventre que le sien gargouille. Ah non, mais déjà, je suis super heureux. Je prends le bras. Et puis, je pose la question, autour de moi, je suis en mode, vous l'avez soigné, il s'est passé quoi? Je pose la question. Tu peux voir le bon qui commence à émerger un peu tranquillement. Et il y a la duchesse aussi qui est là, qui commence à ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui l'a... Il était mort, mais il a envie de... Duchesse, tu l'as ressuscité? Non, c'est pas moi. Ah, ok. Non, bah, je crois que c'est moi. Comme ça, tu crois que c'est toi? Bah, après, une affuchou, je serais un peu plus sûr. T'as pas une affuchou? Bah, je peux faire ça, ouais. Au moment où tu dis ça, Mamie se retourne et elle sert des grandes tasses de thé. Elle vous regarde, elle dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai rajouté un petit tonique, histoire de que vous soyez tout de suite d'attaque. » Il y a un petit trait de bulle, là. Bah, let's go. Let's go. Hop, elle vous sert ça, trois tasses, tranquille, et elle dépose quelques gouttes dans l'abreuvoir du loup, de l'eau, avec quelques gouttes de tonique dedans. Ok. Vous buvez tous ensemble... Et vous récupérez comme un coup de peps. Ça vous booste d'un coup, ça vous frisote les moustaches pour ceux qu'on a. Et zou, c'est parti. Le loup, en même temps qu'il lape, tu peux voir qu'il commence à être de plus en plus vif. Et qu'il a qu'une envie, lui. Bah, il a envie de courir et de chasser. Parce que quand même, c'est un loup. Il en a à foutre d'être enfermé. Maintenant que tout le monde va bien, il a envie de se barrer, lui. Ok, je vais l'amener dehors, effectivement. Parce qu'il a besoin d'un peu courir, le petit. Et je vais l'emmener chasser. Tu ouvres la porte, au moment où tu ouvres la porte, derrière, se tenait droit comme un i, le capitaine de la garde qui se retourne d'un coup sec et qui fait un pas en avant. Quand il voit que c'est toi, il recule et le loup, il le voit. Il a la main sur la garde de son épée, sur le pommeau. Tu dis quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Je regarde comme un western. Il attend que tu dises quelque chose. Et... C'est pas lui qui va entamer la conversation. Non, je sais. Je dis juste, le loup n'est plus une menace. Nous allons chasser. Et on y va. Ok. Et tu pars avec lui? Le loup, pas le capitaine. Oui. Tu pars avec le loup, évidemment. Oui, je pars avec le loup. Oh, il me prend pour un âne, mais il a. Sait-on jamais. Du coup... Capitaine, petite chasse, capitaine. Le capitaine qui fait... Et il part en courant. À quatre pattes en plus. Hein. Du coup, loup qui trace sa race, il te met une tempête, mon gars. Yes. Certains gueulent, oh putain, un loup! Qui ne sont pas habitués. Et les chauffeurs, en haut de leur armure, qui disent, oh, mais ça c'est le nôtre, vous pouvez le laisser. Hein. Et le loup... Au début ils ont peur, ils voient un loup, puis après ils voient moi, ils sont non mais c'est bon, c'est le con. Ouais, ça doit être un autre machin. Du coup les deux sont partis, il est parti promener le chien. Vous êtes tous les deux avec Mamie Irel, le capitaine referme la porte et vous entendez ses pas lourds se remettre derrière. Personne ne rentre et ne sort sans l'avis du capitaine. Vous êtes là, tranquille, tous les trois, vous pouvez discuter. Je te vire, du coup, mon petit Jojo. Ouais, bien sûr. T'es cash. Voilà, je l'ai viré. Enfin, calme. Pas à vous. Non, on discute juste de notre week-end, en fait. Non, je déconne. Alors, du coup, dites-moi tout. Bon, Mamie, j'aimerais savoir ce que l'indigne est venu faire. Ah bah, vous voyez, mon tonique, ça a pas traîné, hein. Il est venu discuter, hein, comme à l'époque, vous saviez que je le voyais beaucoup quand il était plus jeune, hein. Il venait écouter mes histoires. Mmh, ouais, et là, il a discuté de quoi? Il m'a posé des questions sur les sœurs, comme d'habitude. Je lui ai dit qu'il y en avait sept, hein, ça, il le savait. Et il m'a dit qu'il avait rencontré une des nôtres, qui l'avait d'ailleurs combattue. Et apparemment, il a réussi à la vaincre, donc il est devenu extrêmement puissant. Et ça vous
Ferin qu'il ait tué une de vos sœurs? Ah, bah écoutez, je vais vous dire non, mais ça reste le but ultime des sept sœurs. Hein. Faut qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur les autres quand elles s'en sont capables pour pouvoir invoquer mère. Donc, non, ça fait partie du jeu. Ouais, mais du coup, c'est entre vous peut-être, mais que. Non, vous avez aucune animosité par rapport à ça, du coup. Ah bah, moi non. D'accord. J'aurais pensé le contraire, c'est tout ça. Ah bah, moi, on me demande de protéger la duchesse qui est une de mes sœurs, donc. Moi, je fais ce que me dit mon grimoire. Oui, mais lui, c'est pas une de nos sœurs. Ah non, 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 c'est sûr, mais. Écoutez, si le grimoire m'avait dit. Pour protéger la duchesse, tu l'indignes, bah voilà. J'aurais essayé, mais là, pour le moment, ma mission reste toujours la même. Donc, la digne a toujours été très gentille, a une enfance difficile. Ça ne m'a pas dérangé de le voir, au contraire, ça m'a fait très plaisir, en tant qu'il soit venu. Ok. Ouais. Mais je sais pas, ça commence à... J'avoue que s'il commence à m'inquiéter un petit peu... Ah bah, il a été très poli, très cordial... Qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans? Commencer à tuer une de nos sœurs pour avoir son pouvoir, qui vous dit que vous ne serez pas la prochaine ou moi? Oh. Non, non, non. Non, parce qu'il a besoin de nous pour vaincre le dieu unique. Donc non, je ne pense pas. En tout cas, de ce qu'il m'a dit, son but, c'est bel et bien de vaincre le dieu unique. Vous ne croyez pas? Écoutez, oui, mais je sais pas. Je... Vous méfiez? Oui, je me méfie encore beaucoup de lui. D'accord. Non, non, mais vous avez raison, je suis à ça. Si vous le sortez pas ou vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas, hein, à moins que le bon gène... parce que là, il va se promener, mais... Non, 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 sûr que non, mais... Ah! Oui, si vous dites, je m'en vais, hein, si je gêne. Non, 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 il n'y a aucun souci. Non, non, c'est juste que je sais pas. Disons que quand je l'ai vu venir vers chez vous hier, j'ai eu un moment de panique. Je me suis dit qu'il allait venir vous tuer. Bah, pas du tout. Absolument pas. Il était plutôt content de me voir. Il m'a fait un énorme câlin. J'étais aussi ravi de le revoir, de le voir en vie et en si bonne santé. Entre son père qu'il battait et sa mère qui était un peu dérangée, bah les deux déjà ils pouvaient pas se piffer, je me demandais ce qu'ils foutaient ensemble. Et non, moi j'étais content de le voir, il était content de me voir, c'est parfait. Il m'a parlé de sa mission très ouvertement. Son but c'est de vous aider à vaincre le dieu unique, donc. Voilà. Tu veux votre Insta, Duchesse, hein, si vous ne le sentez pas. Bravo! Ouais, ouais, bon. Comment on dit? Garde tes amis à portée et tes ennemis encore plus près, mais. Ah bah là, c'est bien, il est au château avec le duc. Ouais. D'ailleurs, si le duc, par contre, est un obstacle, là, vous devriez vous méfier pour le duc, par contre. Je sais pas pourquoi ce serait un obstacle pour lui. Ah bah. Il vous empêche de faire quoi que ce soit ou. La prise de tête que vous avez eue devant tout le monde, ou je sais pas, hein, c'est une idée comme ça. Hein. Non, je pense que ça devrait aller. D'accord. En tout cas, j'espère que vous êtes bien reposé. J'ai fait le maximum que j'ai pu, désolé, hein, mais j'ai pas mal fatigué tout ce qu'il y avait à s'occuper quand vous êtes venu. Je suis ravi de voir que vous êtes requinqué. Désolé hein, pour. Le bon et Jojo, mais je n'ai qu'un grand lit. Hein. Je ne voyais pas demander à la duchesse de dormir par terre, donc. Non, aucun problème. Voilà. Je me suis occupé du capitaine aussi pendant que vous dormiez. Il n'a pas bougé, hein. Pas bougé d'un poil. Mortepel a voulu le relever. Il n'a pas voulu. Le capitaine, vous êtes vraiment très très loyal. Plus que ça alors. Bon, on va y aller.
Ok. Donc du coup, vous levez, vous avez fini votre thé, elle vous avait sorti quelques choses à manger, parce qu'en fait, c'est le manoir lui-même qui a livré la bouffe, vu que vous savez que vous étiez là, hein, mm-hmm. Donc vous avez mangé, vous êtes retapé, tout va bien, dans le meilleur des mondes en fait. Parfait, belle journée. Il commence. Ok. Essayons de sortir, voyons s'il y a des gens ou quoi. Et... Vous sortez et il y a le capitaine de la garde qui est juste devant la porte. Au moment où il voit que c'est toi, Duchesse, il fait un pas de côté et il t'escorte. Peu importe où tu vas, jusqu'à nouvel ordre, il te suivra. Ok, bah allons au château. Hein. Vous allez donc au manoir, vous déplacer. Et donc, le capitaine vous escorte, les gens s'écartent de 5 bons mètres quand ils voient que c'est toi, Duchesse. Il n'y en a pas un qui vient. Par contre, tu entends comme quoi... Alors, ça va être très vite. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où tu passes le coin là, il y en a deux qui discutent. Et il y en a un qui dit à l'autre, on pense que... Il y en a un qui dit à l'autre, donc à un villageois, hein, simple villageois, il dit à l'autre, alors tu sais pas s'il est de passage, si c'est un du Val d'Irel ou quoi, et il dit, on raconte qu'apparemment, la duchesse, elle se serait endormie chez mamie, parce qu'en fait, le duc, il l'aurait mise à la porte, elle reviendra plus. En entendant ça, le capitaine de la garde le soulève par le cou et le plaque au sol. L'hôte s'enfuit de peur. Et le capitaine, de tout son poids, lui écrase la tête avec sa botte. Oui. Cet homme qui était là en train de colporter des rumeurs est mort. Ok. Pas de jugement, pas de quoi que ce soit. C'est juste un OS, on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites devant ça? C'est un peu la bonne ambiance. Je me retourne vers la duchesse en mode un petit peu choqué, en mode de... Bah, t'es au courant qu'il se passe ça maintenant, en fait? Je sais pas. Attends, je vais vomir un petit peu dans ma bouche. Là, comme ça, je vais rien dire. Ouais. Et puis, on verra après. Okay, bon, du coup, je dis rien et on... Ouais, on... Vous continuez, ouais, du coup, d'avancer. On en parlera après. Et vous arrivez... Oh, pardon. Jusqu'au manoir. Une fois que tu es dans le manoir, le capitaine se met devant la porte et te laisse entrer. Le manoir étant une zone sécure pour vous. Tu rentres à l'intérieur, le petit-déj est passé, mais à table se trouvent l'indigne et le duc. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais voir Jojo. Mon petit Jojo. Moi-même. Tu te barres et en fait, tu te rends compte que ton loup, bah, il a vite tracé en fait. Il t'a pas entendu. C'est-à-dire que quand toi, tu passes les portes de la ville, le loup, tu vois même plus. Je siffle. Il ne se passe absolument rien. Bon, bah je regarde les pas au sol, il est en train de passer pour savoir vers où il est passé. Tu regardes, il est parti comme à son habitude vers le... Tu le laissais près de du rocher de la réussite, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Bah voilà. En fait, bah c'est parti. Il part vers le rocher de la réussite, où tu le suis. Go caillou. Tu vas au rocher de la réussite et tu vois que ton loup a déjà une proie et qu'il est déjà en train de bouffer. Voilà, mais il voilà. Bouffe de façon frénétique. Hein. C'est-à-dire que le tonique de mamie, c'est un bon plan pour un loup, apparemment. Apparemment, 3 gouttes, c'est trop. Hein. Ça, c'est mon loup, ça. Exactement, c'est ton loup. Bah, il est en train de becter un chevreuil qu'il a chopé par là. Bam, il l'a pris, chopé, hop, et il est déjà en train de le manger. C'est bien limite, s'il te dit, bah, ouais, gros, c'est ta faim. Viens taper un croc, on est mal. Bien vu. Bah, vu qu'on est près du rocher de la réussite, je vais faire ma prière habituelle, c'est-à-dire que je vais essayer de l'épreuve.
Il va tenter le rocher de la réussite pour vous, messieurs, dames, pour votre entertainment. Sortez les points de chaîne, c'est le moment de, bien sûr, l'aider. Trois réussites critiques et le miracle s'accomplit sous vos yeux. Putain, genre... donc je fais comme d'hab, c'est-à-dire que j'enlève mes fringues, quoi. Il enlève ses fringues. Et... Il enlève ses fringues. Le mauvais technique. Le challenger enlève ses fringues. Et genre, bah, je fais une petite prière à la nature. La petite prière à la nature. Je me prépare. Il se prépare, le joueur français qui va s'élancer. Alors attends, je vais mettre ça, comme ça ils vont très vite comprendre. Je switch la scène. Ok, ça n'a pas pris. Ok, nickel. Je switch la scène. Bienvenue au rocher de la réussite, Jojo seul face à tous, alors que son loup bien plus grand maintenant est en train de becter. Ah, il n'a pas réussi en un an l'épreuve. Pour faire flipper les gens, je vais mettre ça, alors que ce sera un chevreuil, tout le monde le saura sauf eux à l'écran. Et du coup, ils vont penser que ton loup a bouffé quelqu'un, on va voir s'ils sont RP. Voilà, comme ça, bien, hop, nickel, tout le monde va croire qu'il a ramené un être humain. Mais là, du coup, ça va être énorme. Tout le monde va croire qu'il a bouffé, et là, ça va faire ah d'accord. vers l'avant. Okay. Voilà. Et le loup est en train de ripailler à plein ventre. Mais du coup, je reste là. Ouais, mets-toi à côté comme ça, et tu vas faire les jets de dés. Pour leur faire peur, je vais faire les jets de dés. Ça va être trop bien. Je me fais un des 20. Attention, seule la réussite critique compte, sachant qu'il faut une, deux. Et trois réussites critiques pour arriver sur le haut du rocher, alors que c'est des cailloux glissants et hyper pointus. Absolument. Très dangereux. C'est parti. Je vais m'en céder. Attention, peut-être pour la première réussite critique. 13, pas du tout. Mais il a une bonne dextérité, donc il va s'en sortir. Il court, il prend son élan et il saute. Mais il saute. Il a voulu prendre tellement d'élan, aller tellement vite qu'il saute. Il enjambe le caillou pour se retrouver. La frats la première dans la flotte. Ça fait un gros splash. Le loup lève la tête, te regarde, te juge un peu et continue. J'ai de toi. Moi? Ouais, pour leur faire peur. Ah oui. je commence à connaître. Hein. trop bien. Et bim! Si c'était moi sur le rocher avec un bonus, ça serait passé. étant donné que c'est ta troisième prise de risque, parce que je peux te dire que si à un moment tu fais un échec trop haut ou vraiment critique, je te le ferai payer, hein, forcément, parce que c'est le rocher de la réussite. Ah bah je sais, à chaque fois que j'y vais, C'est pour ça. Évidemment. Donc du coup, pour la prochaine fois, ta réussite critique sera entre 1 et 2. D'accord, très bien. Tu vas te gagner un point en critique pour le rocher de la réussite, tu peux le noter. Ok, je m'en rappelle. Très bien, je vais noter ça. Vu que tu le fais de plus en plus. Bien sûr. 1 et 2. Ok. Bon, bah ensuite, comment dire, alors moi évidemment si je veux manger, c'est pas la viande crue que je vais manger, donc je vais faire un petit feu quand même. Et puis je vais manger ce qui reste, ici y a pas assez, bah je vais manger d'autres trucs. Hein. Ok, tu vas à côté de ton loup, tu commences à te faire un petit feu, on va pas t'emmerder sur le feu. Oui. Si l'examen doux sur beau, on fait comme ça, hop. Et clic, il y a le feu qui apparaît. Moi, j'ai un feu de flamme, hein, t'es là. Ah oui, au pire, oui, c'est vrai que t'as un feu de flamme. Et le mec qui fait un feu de forêt, mon gars, bon voilà, c'est moi pour manger. Voilà. Du coup, tu te mets à côté de ton loup, tu commences à découper du muscle et tout ça. Le loup qui partage avec toi, étant donné que c'est toi qui l'a nourri, qui l'a recueilli et tout, il y voit pas de souci. Qui est l'alpha des deux? On le sait très bien, mais on le dira pas. Ah bah c'est vraiment le gars. On va pas se mentir. S'il gueule un peu, tu t'écartes, c'est sûr. Exactement. Okay. On connaît. Voilà. Ah, mais voilà. Et puis bah, je profite encore un petit peu, tu vois, tu sais, genre on balle un peu en forêt et tout. Tu sais, je profite un petit peu de la liberté, ça fait du bien. Ça fait du bien. Excellent. Et après, bon, un moment, je me dis, bon, on va voir si la ville est toujours là. Et on rentre quoi. Et voilà. Nickel, du coup tu profites de la vie et t'y vas, tu rentres. Alors, moi dans un premier temps ça me va, dans un deuxième temps je vais aller voir ce que eux ils font, parce que là ça va être velu et je vais voir leur réaction en live du coup, en mode qu'est-ce qu'il a foutu. Bon, lui, il a attrapé qui? C'est Mirage? C'est Mirage, c'est sûr c'est Mirage. Non pas du tout. Et hop, j'y retourne. Messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, hop, ça va vous?
C'est cool. Vous avez rien vu, c'est bon. Nickel. Alors, il sert à passer. Du coup, bah non, c'est même pas là qu'on va. C'est là-dedans. Attends, je vais peut-être copier l'indigne, parce que l'indigne à votre table, vous l'avez jamais reçu. Hein. On va peut-être le mettre à la table. Voilà. Hop, l'indigne. Le duc. Et vous, tac, entrez et tac. Hop, je mets à peu près dans le bon sens. Hop, la gare serviable. Hop, nickel. Et du coup, vous rentrez, et au moment où vous rentrez, le duc et l'indigne sont en train de taper leur meilleur bar. Le duc est content, heureux, il rigole. Et ça, pour le faire rire, faut y aller. Hein. Il rigole. Et ils sont là en train de terminer de tailler le bout de gras, alors que leurs assiettes sont vides depuis un moment, ils ne touchent plus à la bouffe, leurs verres sont vides aussi. Mais ils sont encore là en train de parler, tout ça. Et au moment où vous rentrez, le duc s'esclaffe. Ah, duchesse! Quel plaisir de vous voir sur vos deux jambes. Comment allez-vous? Très bien. Très très bien. Je m'envoyez ravi. Le bon, vous êtes d'attaque? Bien écoutez, oui. Une bonne nuit de sommeil réparatrice, donc il n'y a pas de souci. Parfait. M'envoyez ravi. C'est merveilleux. Du coup, je faisais connaissance avec apparemment votre ami, l'indigne, qui vous a aidé à battre dans les mines de l'île des Bannis. Un garçon qui est du Val d'Irel, en plus, je viens d'apprendre. Il a passé beaucoup de temps avec mamie et l'ancêtre, qui est d'ailleurs très bizarre, dans un premier temps, mais une fois qu'il m'a un peu plus expliqué, j'ai vite compris. Ses parents... Vous l'avez aidé à gérer ses parents, quelque chose comme ça? Nous? Je pense qu'il a bien géré ses parents lui-même, je dirais. Oui, non, mais je veux dire, vous voyez un peu quel genre c'était ses parents. C'est, là, apparemment, c'était un homme de l'ancêtre et l'autre plutôt penchant pour les sans-âmes, on est d'accord? D'accord. Du coup, très bien, très bien. Vous voulez peut-être discuter ou... Oh oui, on va discuter, ouais. Oui, oui. Ouf. Alors là, quand elle dit ça, l'indigne, c'est que ça... Elle est en colère, là. Je le vois. Vous... En tête à tête, peut-être. Le moment, oui, on verra plus tard, mais là, j'aimerais discuter, ouais. Si possible... Juste nous. D'accord. L'indigne, du coup, se lève. Je vais faire un tour en ville. Si vous avez besoin, vous m'appelez. Maintenant, nous deux. Nous deux. Moi ? Ah, l'indigne ! Ah, d'accord ! Ah, je... Ah, si. Non. Du coup, l'indigne, du coup, est là, est choqué. Il dit, ah, oui, il regarde le duc. Et le duc fait... Vas-y, hein, vaut mieux vous que moi. Elle a l'air un peu énervée, donc j'espère que c'est contre vous. Mais voilà. Le bon, venez. De toute façon, il fallait que je vous dise quelque chose. Sortons. Très bien. Voilà. Bah, je me lève. Et, bah, j'étais pas assis, d'ailleurs. Mais, Du coup, je reste debout et je sors. Il te tape. Il te met une grande tape sur l'épaule. Et vous l'entendez, donc je ne coupe pas encore. En t'emmenant dehors, il t'a dit le mot. Bon, je me suis un peu énervé sur le sujet, sur le combat, parce qu'on a risqué notre vie et celle de notre femme. Hein, on voulait pas. Donc c'était totalement justifié, quoi qu'on en dise. Mais, je souhaite vous avertir de quelque chose au sujet du peuple et de ce qui a été décidé les dernières 24 heures. Et vous sortez tous les deux. Très bien. Tu reviendras. Duchesse, tu es en tête à tête avec l'indigne, tu as entendu donc ces dernières phrases du duc qui s'en allant parler. Et tu es seule avec l'indigne et l'indigne te regarde un peu, inquiet. Il te regarde, il a un sourcil un peu haussé comme ça. Chose ne va pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez dans cette grotte seule?
et sur la piste d'une de vos sœurs, qui malheureusement m'a attrapé. Heureusement d'ailleurs que vous êtes venu me sauver, merci, parce que elle m'a eu par surprise. Je sais pas si comment elle fait, mais elle savait que j'étais là, exactement à cet endroit. J'ai été ligoté sur place, sans lien. Je sais pas comment vous dire, j'ai pas trop eu le temps de comprendre. Quand j'ai vu que j'étais attiré vers le sol, ou comme si des racines m'attrapaient, je vous ai envoyé un message, et après, plus rien. Ouais, et qu'est-ce que vous lui vouliez ? M'emparer de d'elle, voir. Pourquoi ? Toujours la même chose, détruire le dieu unique. Vous êtes tombé sur la tête, il vous est arrivé quelque chose ? Non, mais je me demande en fait qu'est-ce qui vous empêche après de vous en prendre à moi ? Si vous commencez à chercher la puissance de toutes mes sœurs. Non mais... Pas la puissance de vos... Je veux avoir leurs âmes, vous les ramener, que vous puissiez invoquer mère et que on puisse combattre le dieu unique. C'est le plan depuis le début. Moi, je ne peux rien en faire. Alors, vous avez déjà une première âme. Ah bah, elle me l'a subtilisée. Pourquoi ne pas me l'avoir rapportée déjà, celle-là, alors ? Ah bah, c'était sur mon chemin, figurez-vous. Mais quand j'ai vu la grotte, je m'y suis engouffré. Je me suis dit que j'allais rapporter les deux. En plus, je disais que je venais vers chez vous, que j'avais juste une mission en attendant. Et en fait, j'ai pas trop eu le temps. Parce qu'à peine arrivé à l'entrée de la grotte, comme je vous l'ai dit, je voulais explorer, voir un peu les lieux. Et là, j'ai pas eu le temps, en fait. La première sœur que vous avez tuée, elle était où ? Elle faisait quoi ? C'était quand ? C'était quoi ? C'était qui ? On s'est quitté il y a 3 mois, c'est ça ? Comme ça, hein, je crois. Du coup, 1 mois et demi après... Enfin, j'avais une piste sur un endroit, bien plus au sud. J'avais été rencardé. J'ai mis de bonnes semaines de voyage. Ouais, presque 2 mois après, j'ai trouvé une de vos sœurs, ouais. Elle s'appelait comment ? Elle faisait quoi ? C'était quoi son pouvoir ? Ah, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de demander. J'ai eu une opportunité de la rencontrer, entre guillemets. Elle était seule, dans la forêt. Elle était réputée comme étant une sorcière, mais bon, ça, en même temps, il y en a beaucoup. Et il s'est avéré que c'était une des sœurs. Elle était assez faible, assez vieille, et elle n'a pas eu le temps de s'emparer d'une fiole de sang ou de quoi que ce soit, que je l'avais déjà tué, en fait. Je ne lui ai pas laissé le temps de faire de la magie, d'invoquer des golems, ou que sais-je, qu'est-ce qu'elle aurait pu maîtriser. Vous lui avez pris son grimoire ou sa dague ? Non, heureusement, je ne les ai pas trouvés. Pas de grimoire ni de dague. Ah bah certainement que si, mais je ne les ai pas trouvés. Alors est-ce qu'elle venait déjà de se faire... Peut-être elle venait de se faire attaquer alors. Parce qu'elle était vraiment faible. Vraiment, il n'y avait qu'à se baisser pour l'achever, quoi. C'était... C'est limite un peu... inhumain, entre guillemets, mais... Comment pouvez-vous savoir que c'était une de mes... une sœur ? C'est la ni grimoire ni dague. Bah, parce que j'ai réussi à aspirer son âme. Avec quoi ? Avec un rituel. Quel rituel ? Ma mère m'a appris. Ma mère avait pour ambition de devenir une des sœurs et de donner naissance à mère elle-même pour pouvoir enfin se débarrasser de mon père et de la main blanche. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Mais en tout cas, elle me l'a appris vu qu'elle s'entraînait sur moi. L'a appris, on va dire, à ses dépens. Parce que donc vous,
comme le bon, vous êtes mort et ressuscité par votre mère, c'est ça? Bah effectivement, oui. C'est le bon qui vous l'a dit? Alors, HRP, je sais plus. Et bah HRP, je sais plus non plus. Il l'a dit, mais il l'a dit HRP, je crois. Ouais, je crois, ouais. Mm. Bon, par rapport à ce qu'il vient de dire là, on peut dire que je l'ai compris. D'accord, ok. Ouais, ça me va. Du coup, il te regarde et il dit... C'est le bon qui vous l'a dit? Non, c'est vous qui venez de me le dire là. T'en déduisais que du coup... Ma mère aurait fait de moi un sans âme, comme ça? Bah si elle vous a aspiré votre âme... Oui. Oui, effectivement, oui. Oui. Excusez-moi, je... J'ai un peu de mal en la confiance, mais à chaque fois que je dis quelque chose, j'ai l'impression que si je parle à vous, les deux autres sont au courant et ainsi de suite. Et ça me perturbe un peu. C'est que nous travaillons ensemble. Oui, mais il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à une seule personne, des fois. Les autres n'ont pas forcément besoin de savoir. Et j'ai l'impression que vous êtes une seule et même entité, les trois. J'ai l'impression que tout ce que je vous dis là, et même ce qu'on est en train de discuter, que d'autres le sauront tôt ou tard. S'il y a des raisons pour lesquelles je dois leur dire, je leur dirai. Mmh. Pourquoi je ne devrais pas leur dire ce qu'on se dit là? J'ai demandé à Lebon de garder des choses pour lui, j'espère qu'il l'a fait. Comme à vous, je vous demanderai de, peut-être de garder des choses pour vous. Quoi? Bah oui, ok. Ah, d'accord, ok. Non, si vous êtes d'accord, vous voyez ravi, j'espère juste que... Bah, Odette et que vous devrez regarder. D'ailleurs, je n'ai pas reçu de réponse à mes petits mots, c'est que vous ne vous les êtes pas échangés déjà. Vous auriez répondu. Bah, je vous j'étais, déjà, j'étais déjà en compte. Oui, non, mais j'avais caché un message codé que seulement... En rejoignant les trois mots, vous l'aurez compris, et en me répondant, j'aurais su que vous les aurez montrés. Ah, d'accord. Oui, j'adore ce genre de petit jeu, pour être sûr de parler. Eh bien. C'est un test, entre guillemets. Alors du coup, je sais pas si vous n'avez pas compris le message ou si vous avez joué le jeu, mais... En tout cas, j'avais bien demandé à un d'entre vous de ne surtout pas montrer le message aux autres. J'espère que cela a été fait. Bah moi, c'est pour ça que vous voulez me voir, que vous êtes un peu énervé. Écoutez, oui, désolé, je vois que vous allez voir un peu toutes les sœurs pour essayer de récupérer leurs âmes. Moi en étant une, mamie en étant une, oui, je me suis inquiétée, oui. Déjà, mamie, je la considère un peu plus comme ma mère que ma propre mère. Déjà, mamie, je n'y ferai rien. Ça, ce sera, désolé, mais à vous faire le sale boulot. Parce que, bon, je m'y prépare depuis qu'on en discute, parce que j'ai pas le choix, et depuis que je sais que c'est ça le plan pour battre le dieu unique, ok, mais je suis pas très très enthousiaste. Mais par contre, il est hors de question que c'est moi qui fasse quoi que ce soit sur ma vie. Hein. Autant les autres, je les déglingue, je m'en tape. Je déglingue des ancêtres à tour de bras, si vous voulez. Mais ma vie, j'y touche pas. Hein. Ça, ce sera à vous. Et... Moi, dans tous les cas, non, ça ne m'intéresse pas. Et je vois pas pourquoi je devrais vous buter alors que j'ai enfin trouvé une sœur à qui on peut parler, qui considère pas les hommes comme des moqueries ou de la merde, et avec qui on peut échanger sans se retrouver mort, attaché ou quoi que ce soit. Donc non. Je vous fais entièrement confiance pour faire ce que vous avez à faire et m'aider à battre le dieu unique. Après, si vous retournez contre moi ou quoi, on s'affrontera, tant pis. Mais en tout cas, je compte bien mener cette mission à bien et à terme, et je me serais pas fait chier à venir dans la mine avec vous pour vous aider, vous protéger, pour vous buter. Dans ce cas-là, je vous aurais buté dans la mine. Ouais, le cristal, je crois que vous m'aviez protégé, que j'avais détruit le cristal. Ouais. Vous avez été quand même très... Je trouve pas le mot, mais inconscient d'aller dans une grotte seule pour affronter une sœur.
Ah bah, depuis le début, je suis un peu seul, hein. Vous vous souvenez un peu des loustiques que je me trimballais? Bon, bah voilà. Bon, maintenant, il est vrai que j'ai un petit village. Bon, c'est pas des flèches, mais j'ai essayé de les organiser pour qu'ils fassent des trucs un peu plus légaux maintenant, entre guillemets. Mais j'ai toujours été plus ou moins seul, hein. Même en prenant les plus belles pommes du panier, elles restaient quand même des pommes dégueulasses, hein, donc. Donc, j'ai toujours dû me débrouiller seul, hein. Et maintenant, si je fais le compte, vous, mamie, Agonie, celle de la grotte, il y en a une, la régente, il reste plus qu'une à trouver. Et par réussir à vaincre l'autre, il invoque des hydres et je sais pas trop tout ce qu'elle fait, mais. Agonie, la régente mamie, celle de la grotte, celle que vous avez tuée, il en reste encore une, c'est Voilà. celle que je recherche. Voilà, il en reste une dernière à trouver. Après, si vous arrivez à avoir toutes les âmes pour réinvoquer Mère, bah déjà, à mon avis, hein, une fois qu'on en sera là, la main blanche sera au courant que. Il y a une grande puissance sans amesque qui rôde. Déjà, c'est pas déjà autre chose. Et après, il faudra se dépêcher pour invoquer Mère et qu'on arrive à tomber le dieu unique, hein, je vous le dis. Hein. On va pas traîner. Hein. Bah oui, c'est le plan. Hein. Bah, parfait, alors c'est le mien aussi. Comme la dernière fois, on se l'est dit. Bon, on va finir Tout avec bon. lui. Ok, je reviens parce que j'ai une discussion animée avec le duc à avoir. Mon cher le bon, Oui. tu te retrouves à errer dans les couloirs du manoir. Ça rime, putain. Waouh. Et le duc est là et il te parle. Donc, je voulais te dire. Alors, donc, dans les dernières 24 heures, je me suis permis, pendant que vous vous reposiez, hein, bien sûr, de faire un petit discours au peuple. Bon, je vous le dis, ça va pas plaire à la duchesse. Bon. Il a été formellement interdit, sous peine de mort, je dis bien de mort, de colporter des rumeurs au Val d'Irel. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant, parce que j'aurais fait un discours. Comme quoi, j'en avais, mais alors, plein le dos, mais plein le dos, d'entendre des conneries pas possibles dès qu'il y a le moindre chat qui pète en ville. Je n'en peux plus. Donc, je menace de Bah, mort mais tous ceux qui colportent ouais. des rumeurs de merde. Alors, Voilà. du coup, la duchesse, je crois qu'elle se doute d'un truc. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on rentrait de chez mamie. Disons que le capitaine de la garde a sévèrement réprimandé un QTR qui a dit une bêtise en fait, en disant comme quoi la duchesse n'avait pas dormi au château, parce que le duc l'avait mise dehors, etc. Et du coup, le Pardon? capitaine de la garde a, comme qui dirait, écrasé sous sa botte, je crains, de cette personne. Ah, ok, non, j'ai eu peur. Ah, ouais. Bah, vous voyez, ces connards qui ne peuvent pas s'empêcher de déblatérer des charrettes de merde dès qu'il se passe quelque chose, je n'en peux plus. Ça date depuis la création de ce village. Excusez-moi, je suis un peu énervé, mais. Et là, j'ai entendu sévèrement réprimander. Je me suis dit, ouah, s'il ne l'a pas mis à mort, c'est le capitaine que je vais frapper directement. Alors oui, mais du coup la duchesse l'a vu quoi et on s'est regardé, on comptait en discuter tout à l'heure parce que on se demandait d'où venait cet agissement, si c'était le capitaine de la garde qui avait eu après avoir pris initiative comme ça ou si il avait Ah eu non, 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 c'est sous mes ordres, hein, c'est discours au peuple tout officiel. Non, non, non. bien sûr. Je ne pense pas qu'il aurait fait ça de lui-même. Capitaine, d'abord, vous le connaissez, il fait son truc là, magique, qui fait que tout le monde souhaitait jamais réussir. Je sais pas comment il fait, mais bon.
Enfin bref, du coup, oui, non. Mais en fait, c'est ça. Donc, je pensais... Alors, vous me dites, et c'est là que vous intervenez. Pour honorer votre blason en même temps et faire fermer cette gueule, leur gueule à tous ces cons. Pour faire d'une pierre deux coups, tous ceux qui vous chient dessus et tous ceux qui colportent des rubers. Première semaine, enfin, deux, trois jours, on verra. De toute façon, la duchesse va me faire regretter mon choix directement. Je le sais, hein, vous connaissez les femmes. Ou pas. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, elle m'a dit... j'ai dit, voilà, mise à mort. Mais pour faire taire tout le monde et mettre tout le monde d'accord, j'aimerais organiser, du coup, une grande fête au... à la Roche Ronde, hein, bien sûr, dans laquelle vous feriez un duel face à tous les connards qui prétendent être meilleurs que vous au combat, déjà. Et on fera en même temps la célébration de la mise à mort de tous ceux qui colportent des rumeurs. Je vais faire d'une pierre deux coups. Donc, je voulais votre avis, comme ça, on fait, voilà. Quitte à ce que vous repreniez un peu le combat, mais le vrai combat, hein, pas de cailloux, pas de trucs divin, hein. Non, non, à la dure. Hein. C'est combat, vous allez vous entraîner avec Mortepel, moi, ou le roi d'en bas, vous faites ce que vous voulez, hein, mais histoire d'organiser ça assez vite, vous remettre dans de beaux draps, histoire que, mais vraiment, mais que tout le monde ferme bien sa gueule au sujet des rumeurs et de vos prouesses techniques. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dans l'idée, je comprends et ok, ça peut être un événement intéressant. Néanmoins, est-ce que vous pensez que la duchesse apprécierait ce genre de choses? Eh ben, on en discutera avec elle. Bah, vous, venez, venez. Je suis sûr qu'elle en a fini. On va retourner avec eux. Bah oui, on peut effectivement. Parfait. Du coup, le duc a l'air plutôt enthousiaste et il t'emmène à la duchesse. T'en penses quoi? Toi, t'es comment là quand tu dis ça? Oh ben, moi, je me dis que bon, la duchesse, elle va pas du tout apprécier et que moi, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne idée. De me faire botter le cul par tous les trucs à cause des jets de dés. Voilà, c'est pas terrible, quoi. Le gars qui va se faire bon. Moi je le prends avec. Ah ouais, bah viens, tu prends une claque humiliante, tu tombes au sol. Ah mais le vieux combat, je suis là. Un truc comme ça, mais oui. Ah, il va tirer un dé. Ça va être nul. Ça va être trop bien. Petite claque d'humiliation comme ça, tu sais, tout le long du fight. Ça va être trop bien. Je vais tomber, je vais m'évanouir, tu sais. Ah ouais, je vais défailler. C'est le petit cri de Willem comme ça. Ah Ah, j'ai hâte. Ah putain. Et t'as Jojo qui va dire, allez, je dois encore y aller, il va fail. il va tomber sur le rocher comme ça, bam. Ah, enfin bref. Bah allez, let's go. Ouais, super. Hop. Mon petit Jojo. C'est moi-même. Désolé, vous êtes totalement séparés. Je voulais te dire, du coup, tu as mangé avec ton loup. Oui. Vous êtes requinqués tous les deux. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le plan? Bah là, je pense que bon, vu ce qu'on voit, ils sont pas chez mamie, j'imagine. Non. Donc en gros, bah, ce qui se passe, c'est que bah je suis en train de revenir, je passe une tête chez mamie, je vois qu'ils sont pas là, donc du coup je vais au manoir. Ok. Voilà. Tu vas au manoir et tout ce bon monde revient en même temps, c'est voilà. Parfait. Donc évidemment, je laisse mon loup dans le jardin, je rentre pas avec mon loup. Mon loup dans le jardin. Elle est bien cette phrase. Ouais, je me garde mon loup dans le jardin, j'arrive. Je le garde là, puis j'arrive. Hop, hop, et hop. Il y a tout ce beau monde bah, qui se retrouve encore une fois dans le manoir. Table, de salle à manger. Hop, vous rentrez et le duc, le bon et Jojo rentrent et voient l'indigne et la duchesse en train de discuter. Ils en ont fini. C'est là que vous rentrez. Le duc dit, ah, j'espère que vous avez fini, duchesse. Et il faut que je vous parle, j'ai une proposition à vous soumettre. À moins que vous ayez des choses à me dire avant. Non, non, dites-nous. Alors, du coup, vous n'êtes pas sans savoir apparemment. Tiens, Jojo, ça vous intéresse aussi. Venez vous asseoir et hop, tout le monde s'avance. Et le duc va prendre sa place. Ah, Jojo, vous êtes retapé vous aussi? Ça va mieux, ça va mieux. J'espère que vous avez repris vos esprits, parce que vous aussi, quelque chose vous concerne, et du coup, ça tombe bien que tout le monde soit là, je vais pouvoir vous en parler. Alors du coup, pendant que vous vous reposiez,
chez mamie, que vous repreniez des forces, je me suis permis de faire un discours au peuple. Enfin, discours. Tu peux voir qu'il jette un petit regard amusé à Le Bon et qu'il fait avec des guillemets. J'ai plutôt fait des menaces au peuple entier, à tout le peuple. J'ai ordonné à n'importe qui de la garde, chauffeur, le capitaine ou qui que ce soit d'autorité au Val d'Irel de mettre à mort le premier qu'emportera des rumeurs. Voilà. Donc, mise à mort immédiate. C'est-à-dire, il y en a un qui passe dans la rue, il raconte encore une fois des charrettes de merde, et ben il est mort sur le champ. Voilà. Un petit peu, voilà, la démonstration que nous a fait le capitaine de la garde tout à l'heure. Oui, apparemment, vous avez eu le droit à une démonstration du capitaine, Duchesse. Oui. Voilà. Donc, alors, je sais, vous n'aimez pas ça, tout ça, mais moi, les rumeurs, je n'en peux plus. Et c'est là que intervient la deuxième partie de mon plan. Cela se passe à la Roche-Ronde. Étant donné qu'il y a eu pas mal de rumeurs et que l'honneur de Le Bon est terni depuis longtemps, comme quoi il sait pas tenir une épée, il sait pas faire un duel et il se bat avec des cailloux. Donc, alors qu'apparemment c'est vrai, mais la rumeur retente quand même, enfin bref. J'ai décidé que pendant 3 jours, donc on met à mort tous ceux qui colportent les rumeurs, et allez, on va dire au bout d'une semaine, d'organiser un tournoi. Un tournoi dans lequel tous ceux qui se pensent meilleurs que Le Bon viendraient l'affronter en duel. En duel, donc, à la Roche-Ronde, lui et Jojo, hein, tous ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs, ou que, même que moi, hein, peu importe, hein, tous ceux qui veulent se mesurer à l'un d'entre nous, des autorités, qui viennent, qui montrent de quoi il est capable, dans un duel officiel à la Roche-Ronde. Et pour fêter ce duel, on mettra à mort tous ceux qui colportent des rumeurs et qu'on aura attrapés. Voilà. Et là, il se tourne vers Ladine et il dit « Et c'est maintenant où ?» Vous verrez que ça va pas lui plaire. Et plus alors, moi, le silence coup, est long, plus vous verrez que bah, ça va être compliqué. Moi, je me tourne vers la Duchesse, ouais. Je me tourne vers la Duchesse et je suis en mode bon, bah. Tout le monde te regarde, Duchesse. De toute façon, j'ai pas le choix. Vous l'avez déjà annoncé à tout le monde. Ah non, alors, non, donc je répète, j'ai mis à mort, je mets à mort tout le monde. Mais avant, je souhaite vous en parler à vous, Le Bon et Jojo. Que vous soyez au courant que j'aimerais organiser ça. Je n'ai pas encore pris la décision. J'aimerais organiser ça, histoire de redorer le blason un peu de tout le monde, et de montrer qui commande, et surtout, surtout, d'arrêter des rumeurs de merde. Dès qu'il y a un chat qui pète au coin de la rue, forcément c'est mauvais présage, et c'est la duchesse qui est sorcière, et etc. J'en ai plein le dos. Moi, de toute façon, c'est pas moi qui vais faire ce tournoi, donc je pense que les intéressés seront... Figurez-vous que... Figurez-vous, excusez-moi, je vous coupe, mais figurez-vous que certaines dames pensent pouvoir être meilleures que vous en tant que duchesse, et notamment en tant que... comment ? Épouse... Porteuse d'enfants. Non, non. Porteuse d'enfants ? Oui. Mais quel rapport avec un combat ? Comment je les affronte sur ce point-là ? J'ai pas trop envie de faire ça devant tout le monde. Hein, si vous... Non, 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 ah non, non, mais vous pouvez très bien demander à laver votre honneur. On attrape ceux, celles qui se pensent plus dignes d'être à votre place. Et vous pouvez très bien les matraquer en duel, les mettre à mort. Vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire un duel. Hein. Vous pouvez les mettre à mort ou faire un long discours. Ces femmes se pensent meilleures que moi, plus dignes que moi d'être à ma place. Voilà ce qu'il en coûte de toucher à la hiérarchie, à se en place, ce que vous voulez. Et puis hop, même à mort, il n'y a pas de souci. Hein. Désolé, j'ai pas vraiment envie de participer à ce genre d'événement. Mais peut-être que Le Bon et Jojo ont envie d'y participer. Je peux pas parler en leur nom. Je pense pas que j'ai vraiment grand chose à... Bon, je trouve plus mes mots ce soir. Approuvé. Merci, ouais. merci Jojo. Je pense ne rien avoir approuvé. Donc... Alors, si vous êtes serein avec ça, Duchesse, vous m'envoyez ravi parce que Le Bon, j'en parlais juste avant,
Il attendait votre aval. Maintenant qu'on l'a, le bon, il arrive derrière toi et te met ses deux paluches sur tes épaules. Il tape un grand coup. Il dit alors le bon, on prend les entraînements demain matin. Moi, Mortepelle, le royaume d'en bas, vous vous demandez qui vous voulez. Vous remettez un bon coup au combat traditionnel et on va faire ça bien. Hein, le bon, c'est parti, on va organiser ça. Jojo, si vous pouvez éviter tout ce qui est... vous savez vous battre avec autre chose que vos trucs là, vos gadgets ou je sais pas trop quoi là. Du coup, avec quoi par exemple? Non mais par exemple ceux qui vous traitent de con et comme quoi vous êtes bon qu'à faire du lasso ou des choses comme ça. Pardon? Du lasso? Mais attendez, le bon... C'est de moi là. Ouais, excusez-moi, j'ai eu un souvenir d'une aventure. Je préfère. Du coup, oui, donc... Je sais que il rigole ce FDP, là. Je le sais. Je sais qu'il est mort de rire sur son écran. Je sais qu'il est en train de chialer. Voilà, je savais qu'il était en train de chialer. Je le savais. Mais c'est parce que il a dit que t'as dit quoi, là, bon? Moi, j'ai pas entendu, en vrai. Quel connard, putain! Pensez au crâne, il y a un parce que qui est bon qu'à élu, il a fait caca caca. D'accord, ok, d'accord. Connard, ouais. Et c'est que moi j'ai pas entendu, je suis en mode. Ta gueule, du coup, j'ai buté un plomb, je sais pas. Et du qui parle tout ça. Oh putain. Bon, oui. Désolé. Du coup, non, mais votre fouet, là, l'assaut, là, vous voulez pas apprendre à vous battre avec des vraies armes, là? Mais c'est quoi une vraie arme? Une épée, c'est ça? Une épée, un marteau, je sais pas, quelque chose qui... Ou comme vous voulez, si vous sentez de les vaincre avec ça, pas de soucis, mais... Bah, je peux essayer, je peux... Oui, je peux essayer avec une rapière, je pense, ça m'irait mieux, je pense, déjà. Ah... Ouais, bon, ça fera toujours un peu plus bonhomme. Si ça peut vous faire plaisir. Bah, je suis pas quelqu'un qui est spécialisé en... Ah non, mais non, Jojo, vous avez pas compris. Arrêtez de tourner autour du pot, je veux pas que vous me fassiez plaisir. Je veux qu'on redore un peu le blason de la... des hautes sphères du Val d'Irel. Donc, oui. Si on peut éviter de se prendre la honte et que vous perdiez en duel face à des pécores, ça m'arrange. Voilà, je me demande, est-ce que vous arrivez à gérer quelqu'un qui est avec une épée et un bouclier avec votre lasso? Oui, c'est un fouet qui peut faire des flammes, il n'y a qu'au moment qu'il y a ça, donc oui. Oui, ok, oui, non, mais voilà, c'est tout. Donc si ça vous va, on va essayer d'organiser ça dans les semaines à venir. Bon, enfin bref, bah, je suis content qu'on ait trouvé un terrain d'entente, ça me fait plaisir. Et du coup, bah, n'hésitez pas, hein, si vous entendez les gens qui colportent des rumeurs, de temps en temps, bon, voilà, on n'est pas obligé, bon, mettre à mort, je sais, c'est mon côté, il faut que je sois un peu plus, voilà... Vous voulez mettre un petit coup de duchesse là-dedans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des menaces. Ou si c'est vraiment autour de beaucoup de monde, du genre à la taverne, bon, faites des mises à mort un peu spectaculaires, histoire que ça commence un peu à la boucler. Et voilà. Après, modérez comme vous voulez, mais moi, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, sinon on va encore passer pour des cons. Je sors, j'entends des rumeurs, je bute. Et si vous voulez modérer, duchesse, libre à vous. Pour moi. Plus rien? J'ai rien à dire, du coup. Parfait. Ouais, je sens que je vais en prendre plein la gueule, mais... Le bon, vous n'êtes pas sûr. Je fais venir qui vous voulez. Hein. Vous vous entraînez à la hache, au marteau, reprendre les bases, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous entraîne, hein. J'ai aucun doute en vos capacités, hein. C'est juste que peut-être que faut vous y remettre à mon coup, quoi. Mais après, bah, à la base, on devait pas partir. Partir. Bah, il y a toujours, bah, il y a, oui, effectivement, il y a toujours Beaujardin. Et, bah, c'est pour ça. Ah. Ah oui. On devait partir à Beaujardin pour parce qu'il y a apparemment des trucs pas ouf qui s'y passent, tout ça. On devait. Oui, Beaujardin, c'est vrai. Vous sentez, Duchesse, vous voyez partir à Beaujardin, là, après ce qui s'est passé dans la grotte?
Après, je suis plus sûr de rien là. Hein. Des gens qui vont mourir parce qu'ils parlent dans ma ville. Ah non, non, n'importe qui peut parler, mais arrêtez de raconter. Voilà. Tout le temps. Alors oui, si on écoute le peuple, je vous bats et du coup je vous ai foutu dehors parce que vous me trompez avec le bon et j'ai découvert ça dans une caverne en affrontant Jojo. Enfin bref, une fois qu'on a fini de mêler toutes les rumeurs, on peut raconter des histoires aux gosses pendant 20 ans. Non, ça suffit. Au bout d'un moment, il y en a un qui parle, c'est le duc. Il y en a une qui parle, c'est la duchesse ou les porte-paroles, etc. Mais ça s'arrête là. Hein. Oui, oui, parce que le duc... le peuple racontait comme quoi je n'avais pas d'enfant parce que j'étais cocu par le bon qui était eunuque. Et vu que vous êtes de la lumière, mais vu que vous êtes tout le temps ensemble, voilà, j'ai découvert ça et j'ai essayé de vous éliminer. C'est pour ça que je vous ai mis au fer. Enfin bref. Mm-hmm. Et vu que j'en ai marre, vu qu'on a pas mal de gens qui viennent en ville, j'en ai marre de passer pour un vampire. Parce que vous saviez comment m'appelait le vampire ? Oui. Vous voyez que j'étais vampire. Ah oui, oui, vous le saviez, voilà. Donc j'en ai marre de passer pour un con, un dégénéré, tout ça, juste parce que le peuple ne sait pas fermer sa gueule. Donc au bout d'un moment, stop, voilà. J'en ai marre. Et qu'on vous traite de sorcière, si ça vous dérange pas, vous arrivez à passer au-dessus, ok. Mais là, ça commence à prendre des ampleurs, ça me saoule. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, Mirage, c'est votre enfant caché. Votre enfant illégitime que vous avez eu. Ce que raconte le peuple, oui, vu que vous êtes très proche de lui et que bah, il vous considère un peu comme votre mère ou je sais pas trop quoi, en tout cas il vous aime beaucoup, bah, c'est votre enfant caché, parce que lui en plus je suis cocu et vous avez des bâtards, et qui ne sont pas les miens. Je suis en train de compter avec mes doigts, tu sais, genre l'âge de la duchesse, Mirage, Schumann. Non, c'est même pas possible. C'est genre... Ne comptez pas, Jojo, non, je vous le dis, ils sont complètement cons. Je vous le dis, et quand même en leur expliquant, mais vu que c'est une sorcière, non, c'est bon, on peut pas discuter. Donc, je mets à mort. Donc effectivement, j'ai demandé, donc vous connaissez mon côté fourbe, j'ai demandé s'ils avaient des questions, et effectivement, ceux qui avaient des questions, je les ai toutes écoutées, hein, j'ai pris sur moi, Duchesse. Hein. C'est pour ça que je vous parle des rumeurs, là. Donc j'ai pris sur moi, est-ce que c'est vrai que vous êtes un vampire? Voilà, donc tout cela a été écarté, et mis à mort. Et apparemment, ça n'empêche pas que le lendemain... Ben, ça recommence déjà. Ça recommence déjà à déblatérer de la merde dans nos ruelles. Voilà. Bref. Je tourne en rond un peu, Duchesse, mais vous voyez que ça me préoccupe. J'en ai un peu marre. Mais du coup, Duc, une idée me traverse l'esprit. Oui. J'ai hâte. Je pense que le peuple... attendez, le bon, parce que je viens d'en penser une. Vous venez du futur, apparemment, avec vos termes et tout ça. Vous êtes un voyageur du futur. Voilà. Ah. Apparemment, les darons ou quoi, vous vous racontez des trucs qui se sont pas passés, ou à chaque fois vous dites que ça percera bientôt, ou que ce sera légendaire, ou je sais pas trop quoi. Ben, vous venez du futur, voilà. Non, mais allez-y, reprenez. Attends, il dit ça, on peut voir que je fixe le bon de guerre en mode... Non. Non, mais du coup, en fait, là, le peuple, fort de sa oisiveté, imagine des choses extraordinaires. Pourquoi est-ce qu'on on ne fournirait pas au peuple un moyen de se divertir afin qu'ils ne passent pas leur temps à imaginer des bêtises? Genre, je ne sais pas, proposer une sorte de tournoi, de... Et la duchesse ne veut pas. Mais non, pas de... Mais je sais pas, de sport, de... Je ne sais pas, on pourrait imaginer un sport qui consiste à taper dans un casque ovale pour les mettre dans des sortes de cerceaux, j'en sais rien, mais quelque chose qui les occuperait, comme ça ils arrêteraient de passer leur temps à, des fois, à pas faire grand-chose et à imaginer des billevesies. Oui, et ils travaillent quand dans tout ça? Bah, si ils ont le temps de réfléchir à des trucs comme ça, c'est qu'ils bossent pas tout le temps. Ah, ça doit s'appeler la vie, ça. Possible. Ah, vous savez ce qu'on dit, Duc, hein, du pain et des jeux pour le peuple. Hein. Si le peuple a du pain et des jeux, ils sont contents. Ok, donc vous êtes d'accord. Alors, je charge le bon et Jojo.
de faire ça. Je n'ai pas très bien compris, mais occuper le peuple après hein, leur travail. Occuper le peuple. Faites ce que vous voulez. Si c'est efficace, je vous mettrai à l'honneur lors d'une soirée en votre nom. Ah, j'ai déjà une idée de nom pour ce sport. On pourra appeler ça le rugball. Il n'y avait pas une théorie où tu du futur, quoi. Et le but, c'était pas genre que... Vous allez chercher tout ça. Vous allez chercher tout ça, le bon. Vous êtes... Ça me traverse l'esprit, c'est... Après, il est en communication un peu avec les dieux, donc bon... Je vais essayer comme vous. Attendez, hein, le bon, j'ai pas l'habitude. Mais vous savez quoi? Je vais vous nommer ministre du sport. Non. J'ai pas compris. Bah moi non plus, mais apparemment, et vu qu'il fait WoW, c'est que lui, il a compris. Vous voyez? Je vois un peu comment il assemble des mots n'importe comment. Il a dit le mot sport, moi je connais le mot ministre. Ouais. Je savais que ça ferait mouche. Ça d'accord. Peut être sympa, hein. Très bien, le bon. Bah on essaierait de mettre au point ton truc ball. Là. Hein? C'est rugball. Oui. Rugball. Écoute. Peut-être qu'on va faire, ce sera moi le ministre des noms, et toi tu seras ministre des sports, d'accord? Voilà. Oui, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Bon, du coup, le tournoi c'est quand? En 3 jours, c'est ça? Non. Le tournoi, ouais, on va le mettre de côté, là, si vous devez aller, enfin, si vous le sentez, hein, ou qu'il voyez. En fait, là, l'objectif, c'est le tournoi, c'est le but ultime, mais avant, il y a des entraînements. Et du coup, pendant les entraînements, en fait, bah, ils vont faire autre chose que de se rassembler pour picoler du mauvais vin. Et de la... C'est très bien. Si le peuple parle de votre rugball, là, le reste du temps, moi, ça me va. Faites ça. Organisez des tournois, des jeux, inventez tous les jeux que vous voulez, je m'en fous. Faites ce que vous voulez du moment qu'ils ferment leur gueule. Voilà. D'accord. Alors, on va... Alors, vraiment, tout ça se traîne, mais on verra ça, je pense, plus tard, parce qu'il y a toujours une épidémie de... de trucs qui vient de... des enfers qui sort, je sais pas, 2 semaines. Donc, je pense que on va peut-être s'occuper de ça d'abord. Et après on s'occupera de ton rugball, le bon. Hein. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on détourne aussi un petit peu le peuple de ce genre de vérité. Ils n'ont pas besoin de se l'avoir. Du coup, si on camoufle ça avec voilà, un jeu, un truc, c'est pas plus mal en fait. Ils pensent à autre chose. Ouais. Très bien. D'accord. On peut voir ça quand l'épidémie sera plus là. il est trop premier degré, lui. Non, mais vraiment. Je suis désolé, je sens que je casse les couilles. Mais vraiment, il y a toujours des espèces de poulpes humains qui, tout le monde peut se pointer, quoi. Voilà. Vous avez raison. Il y a un temps pour le rugball et un temps pour les choses sérieuses. Oui. Allez-y. Voilà. Du coup, il faut que je sache, le beau jardin, ça a combien de temps d'ici à cheval? On a un chemin tracé, on a un itinéraire, on a tout. On sait où il faut aller. Ouais, ça a dû 2 semaines, quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Un truc comme ça. C'est toi qui l'as dit, c'est que ça doit être vrai. Ok. Du coup, ce serait bien qu'on y aille vite, parce que là, on a déjà perdu beaucoup de temps, je trouve. Donc, il faudrait qu'on y aille. Donc, du coup, on avait dit le bon, duchesse, l'indigne, salut. D'ailleurs, t'as pas parlé depuis le début, mais salut. C'est vrai. Genre, c'est pas, voilà. Oui, ça va bon. Mortepelle et mamie. On roule tout le monde, nos provisions, et on y va, parce que là, on a perdu beaucoup, beaucoup de temps, là. La duchesse qui a dû poser le casque depuis le temps. Voilà. Je peux revenir, ça y est. C'est bon, du coup. Donc, je cherche le rugby, là. Bon, on va le mettre avec le contrôle technique. Vous allez vous en occuper, vous. Hein. Vous mettez ça dans le dossier, foutez-moi la paix. La duchesse, un gars, fait genre, je sens que tu t'ennuies, Jojo. Je sens que tu t'ennuies. Tiens, allez, tu fais les trucs qui, genre, j'ai pas compris, de toute façon, rien à foutre. On est d'accord, on avait dit, hein. Moi je m'en bats les couilles. Ok, allez, on y va. Voilà. Alors, du coup. Avant de partir, moi je vois juste encore voir 2 personnes et après on bouge. Voilà. Vous y allez tous ensemble voir les gens ou pas? Moi je vais. Alors. Vous pouvez même rester avec moi, c'est pas secret, hein, je. Pas de soucis.
Je dois, en fait, j'explique, je veux juste aller voir le... Alors, comment on l'avait appelé ? Le calculateur ? Mathématicien ? Je veux voir le mathématicien et... Ah, le cuistot, celui qui connaît tout ? Voir le cuistot et je veux voir Barban pour leur proposer un truc. Ok. Voilà. Voilà. Donc, juste, tu me les groupes à un endroit pour que je puisse leur parler et puis après, on bouge, quoi. Ouais, bah, tu sais quoi, on va au cimetière, allez, hop. Voilà, on a qu'à dire que je l'ai pris avec moi, puis on va au cimetière, quoi. Oh, j'ai même pas un token pour... Non, cuistot. Tu l'as pas. Tu l'as pas, non. Non, j'ai pas de token. Pas de fiche, t'en avais rien à foutre. Ouais, ouais. Bah, à la base, je me suis dit qu'il serait vite mis à mort par la duchesse, et en fait, non. Voilà. Mais c'est pas grave, vas-y, tu peux aller au cimetière directement. Donc, j'y vais. Ah, Clem a reposé le casque. Je suis encore là. Malheureusement. Mais désolé, en vrai, c'est pas un truc important, en vrai. Donc, vas-y, voilà. Vas-y. Du coup, tu arrives au cimetière. Donc, j'y vais, je hèle Barban. Donc, je suis juste venir. Ouais, ouais. Voilà, Barban, du coup, arrive à la porte. Je fais, ok, Barban, mathématicien. Oui. Bon, oui, Barban, oui. Mathématicien Barban, dites-vous bonjour. Non, on se connaît déjà. Vous très très bien, oui, oui. Super. Quelqu'un de fort c'est agréable. Excellent. Et c'est excellent. Écoutez, si je vous ai appelé, c'est parce que vous êtes les personnes qui sont les plus intelligentes de la ville. C'est pas forcément un truc incroyable. Hein. Donc, Sois clair. Hein. Vous voulez dire que c'est un compliment ? Oui. Oui. Wow. Donc, Oh, ça me touche. Alors là, vous me touchez. Bah, parce que, alors là, je me voyais pas plus intelligent que vous, mais quand même, là, c'est beaucoup. Hein, merci. Il n'y a pas de souci. Écoutez, j'y vais pas là où c'est parce qu'il se trouve que, et je leur montre mon arbalète qui est pété. Mon arbalète double, tu sais. Ouais. Voilà. Je leur montre et je fais, voilà. Ça, c'est une arbalète double qui a été construite par l'inventeur. L'inventeur du royaume d'en bas. Ah, oh, une personne dont on m'a souvent vanté les mérites, j'aurais aimé la rencontrer. Exactement. Alors, donc je peux pas du coup le faire réparer puisque c'est un prototype unique au monde. Mmh. Et le créateur est... Mais il est mort. Du coup... Oh non, l'inventeur est mort. Exactement. Donc, oh. Je vous charge comme mission tous les deux de me réparer cette arbalète. Évidemment, vous n'allez pas partir de rien. Okay, donc évidemment, vous avez cette arbalète. Ça, c'est les carreaux qui vont avec. Et sort, tu sais, le pot d'or qui m'avait donné le roi gras. Ouais. Je fais ça, c'est vos fonds. Et t'es genre... voilà. Quand ça, vous dites, c'est nos fonds. On peut utiliser tout cet argent pour... me réparer cette arbalète. D'accord. Alors, on l'a réparé. Si vous n'arrivez pas, vous la modifiez. Bref. Soyez créatifs. Faites un truc. Moi, de toute façon, là je pars pour plus d'un mois. Quand je reviens, je veux que vous me fassiez un truc. D'accord. Alors, on n'a plus le droit de colporter des rumeurs, ça je sais. Oui. Mais par contre, le but que j'ai bien compris là... Le but, c'est à la fin d'avoir une arbalète double. Ou, si on trouve mieux, on fait mieux. Exactement. Alors, pensez que c'est moi qui vais manier l'arme, d'accord ? Commencez pas à faire une hache double, hein. C'est pas ça le but, hein, d'accord ? Ah, d'accord. Ok, donc voilà, vous vous rappelez, moi je suis quelqu'un voilà, qui est plutôt agile, pas très fort physiquement, je sais viser, voilà. J'accepte, sauf que... nous ne sommes pas artisans et on n'est pas forcément les plus appréciés dans le village. Est-ce que vous pouvez demander au duc ou à la duchesse ou vous-même, hein, si ça suffit, d'ordonner aux gens à qui on demande de nous aider sans nous envoyer bouler directement, si ça vous va. Je fais un papier. D'accord, où je dis que Barban et mathématicien sont en mission de la part de Jojo et je marque entre parenthèses parole du duc, ok, histoire que histoire qu'on casse pas les couilles non plus. Okay. Voilà, entre parenthèses parole du duc, ils sont en mission pour moi et que leur demande doit être prise comme si c'était moi qui l'avais dit ainsi que le duc puisque je suis la parole du duc.
Donc ma parole vous salue. Voilà. Ok. Je le signe. Okay. Je vais chercher un truc qui fait officiel, un truc en cire ou quoi. Je le mets dessus. Ok. Hop, je leur donne, je fais voilà. Vous montrez ça. De toute façon, il y a là, il y a le tampon. Donc s'il y a le tampon, normalement, on vous fera pas chier. Voilà. Barbante regarde, il prend le papier. Il dit, alors déjà, c'est très beau, c'est très gentil. Et je fais quoi pour les 95% qui ne savent pas lire, les cons, en fait? Il y a le tampon dessus. Le tampon suffira. Alors, je vais quand même faire un tour de la ville. En fait, je vais aller voir. Bah, en fait, parce que s'il faut des artisans, je vais principalement voir Titan, lui expliquer le truc. Mmh. Et je vais aussi aller voir. En fait, je fais un tour des notables. Oui, oui, pour leur dire comme quoi. Je leur explique, ça marche. Nickel. Voilà, bon, et puis voilà, si jamais il y a le papier, bon, voilà. C'est un grand honneur que vous me faites, nous essaierons de faire de notre mieux. Voilà, et si jamais on vous fait vraiment chier, vous montrez ce papier au duc, voilà. Très bien. C'est bon ? Merci. Bah, y a pas de souci. Bon, et ben dans un mois, les gars, allez, moi je vais aller crever là-bas, allez. Ça marche. La bise. Et du coup, vous partez. Voilà, c'est ça, là. C'est l'idée. C'est tout bon, ouais. Vous avez tout fait, vous avez tout vu? Là, bah, c'est moi, bon. je vais quand même à l'église, moi. Ah, à l'église? Bah oui. Et que fais-tu à l'église, jeune gourgande? Bah, je vais voir un petit peu comment ça se dance à l'église, parce que le père Tétois, là, il avait pris ses aises, donc... Je vais aux nouvelles, voir comment c'est. Donne une boîte de nuit, c'est n'importe quoi. Le père Tétois, au moment où tu arrives, finit les vieux accoutrements noirs, tout ça. Le père Tétois est tout de blanc vêtu. Le père Tétois a pris du poids. Ah, ça se voit. Et le père Tétois est bien... Le père Tétois est bien en forme. La soupe est bonne, mon con. Alors, on s'est salé. Quand il te voit, du coup, il est content. Ah, le bon. C'est un plaisir de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène? Attendez, je peux te dire. Il est content. Si. Oh, mais je suis sympathique. Ah bah oui. Ah la vache, il est content. Bah il est content de te voir. Ah la vache. Ouais. Et on va arrêter plus tôt aujourd'hui, hein, je te le dis. Hein. Tu sais qu'après, faut qu'on sauve le monde, le bon, après. Hein. Ouais, ça va bien se passer. Sans vouloir t'emmerder, hein. Enfin, genre... Bah, si le boss de fin, il dit pas « je suis content de vous voir », ça devrait aller. Je suis content de vous voir, le bon mort. One shot. Ah oh, putain, il est con. Je change tout mon JDR pour que le boss lâche ça, hein, je te le dis. Hein. J'en ai rien à foutre, hein. Bonjour mon père. Alors, comment allez-vous? À merveille. C'est un renouveau pour moi, encore une fois, grâce à vous qui avez pensé à moi pour me mettre à ce poste. Vous me voyez ravi. Pour tout vous dire, je n'ai pas hâte que l'ancêtre revienne, parce que si je me retrouve à retourner dans le sud, je ne retournerai pas au royaume d'en bas, c'est sûr. Bah écoutez, c'est pas d'actualité en tout cas, donc... Vous avez des nouvelles d'ailleurs? On a de nouvelles de temps en temps, mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas reçu, il est toujours en pèlerinage. Donc... D'accord, ok. Parce que j'ai envoyé un ou deux messages aux hautes sphères de la main blanche, j'attends leur réponse dans les jours qui viennent. D'accord, vous leur avez demandé quoi, c'est pas indiscret. Où était ce fameux pèlerinage? Si l'ancêtre allait bien et s'ils avaient des nouvelles directives pour moi, au vu de ma nouvelle récente prise de poste en attendant le retour de l'ancêtre. D'accord. C'est là que je veux les câbles. Je veux les câbles. En plus, j'ai encore mon serre-tête sur la tête dorée avec des perles. Ça, je reconnais, ça s'appelle des problèmes, ça. Par contre,
bien. Bon, 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 bah, c'est... j'étais juste passé pour dire bonjour. Hein, j'aurais trop aimé voir la tête de la duchesse se décomposer et tout. Duchesse, combien de sœurs encore duchesse à tuer là? Parce qu'il faut les faire vite là. On va les faire très vite là. Ouais, ouais, là il va falloir farmer de la sœur hein, parce que là. Waouh. On est toujours dans un JDR 18 plus 1, je vous le dis. Hein. Alors. Du coup, il regarde, il voit que tu mets un blanc, il dit quelque chose ne va pas Non, c'est juste que je m'apprête à partir pour un long voyage. Ah, ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Hein. Tout ce que je vous ai dit, je le fais, et tout ce que j'ai pas fait, je le ferai pas. Oui, bien sûr. Je profite juste de ma nouvelle vie, en aucun cas de vous. Mais bien sûr, je comprends. C'est juste que je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, si, ma foi, je reviens. Je prierai pour vous. L'aventure qui m'attend a l'air... Il en a rien à foutre. Je prierai pour vous, oui, donc, quand t'as fini de parler de tes merdes. Alors, du coup, comme je te disais... J'avais pas fini ma tirade, bordel. Ah oui, j'ai bien vu. Vas-y. C'est de la prose, hein. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est voilà, c'est tout. Bah, je pense que Shakespeare il a écrit ça, voilà, c'est tout. Hein. Ah, putain. Du coup, il te regarde et il te redit : je prie pour vous. Car je suis content de vous voir. Arrêtez. Moi, je rentre, il est mandé, je suis là. Qu'avez-vous fait ? Vous avez dit que vous êtes content de le voir, c'est ça ? C'est ça que vous avez dit ? Pauvre fou! Oh, il est court comme une table! Bah, pas spécialement, c'est toi qui es con jusque-là, mais. Il est juste content de te voir! Ça fait quoi? Il est vraiment content! Non, mais frère! Mais moi, je vois le truc, c'est. Genre, il est juste content! Un peu comme le Clébar, il sait pas pourquoi il rit la queue! C'est pareil! Wow. Je suis fatigué. Eh ben le mot, je l'ai très bien. Hein. Eh, Duchesse, faut tenir vos hommes là un peu, Duchesse. Hein. Mais j'ai rien fait. Mais moi, je suis pas là. Ah ouais, je comprends, c'est même lui. Moi. Hein. Oh, c'est je suis pas là. Ouais, non, mais... c'est lui. Ouais, mais tu mérites aussi. Mais que j'ai rien bon, fait. Bon, allez. Bon, du coup, c'est tout bon? T'es voir c'est... tout le monde? Ouais, ah, bah c'est ok. Moi, je voulais juste voir si il allait bien. Il est content. Bah du coup, écoute, je pensais pas... Ouais, il se fait tard là, rentrant. Rentrant, il pleut. Alors, bah c'est bon. Duchesse, tu vas aller voir quelqu'un toi aussi? Quand... Non, non, non. Non, c'est bon. Bon, en tout cas, tu as bien fait parce que tu viens de choper une information primordiale que du coup vous aurez pris avec un mois de retard. Bah, dans la merde, ça, voilà. J'en réfère à mes compères, bien entendu. Hein, Eh bah tiens, annonce-leur. En live, tu sors de l'église et tu vas les voir, ils sont juste devant dans la rue. Donc je vois le bon qui est mis en train de rigoler, mis en train de pleurer, mis en train de qu'il fout. Ouais, ouais, un peu tout, ouais. Ah, le bon, content de te voir. Il te fait une le bon. On est dans la merde. Viens, Jojo, il faut qu'on va aller à la duchesse tout de suite. On peut jamais ne pas être dans la merde. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est pas possible, ça fait moins de 24 heures que je suis réveillé, putain. Ouais, le capitaine, du coup, si vous êtes dehors, suit la duchesse. Bah, il dit rien à toi, ça, il va rien dire à personne. C'est vrai, ça. Bonjour. Duchesse, il faut que je vous parle en privé. Une information capitale. Ok, bah, allons dans ma chambre. De part duchesse, le bon Asie, on est dans la merde. Oh, le gars, il spoil et tout, il en a rien à foutre. Non, je spoil. Hein. Oh, t'es pas là pour le spectacle, toi. Non, rien à foutre. Ouais, dans la chambre de la duchesse. Ça saute. Bon, duchesse Jojo, je viens d'aller voir le père Tétois. Je vais pas y aller par quatre chemins. Ce mongol a envoyé une missive, plusieurs même, missive à la main blanche pour demander où était ce pèlerinage dont l'ancêtre, que l'ancêtre mène, tout ça. Et pour savoir au niveau de sa nouvelle mission, on va lire elle s'il y avait des nouvelles directives. Eh ben super. Tout dans la merde. Voilà. Je viens d'apprendre ça à l'instant, alors que je voulais juste savoir si tout se passait bien. Il me lâche ça comme ça, normal, en mode... En fait, j'ai parlé au grand de la main blanche. Ouais, okay. Super. Ok.
Donc, en fait, possiblement, là, on part. On sait pas quand on revient, si on revient. Mmh. Et ça, comme la dernière fois, il y avait une inquisition. Pour en prendre un procès. Si on revient, ben, on sait pas ce qu'on retrouvera, en fait, ici. Donc, en prendre un procès, puis les gens vont mourir. Alors, on référer au duc. Mais là, je suis deg, en plus, je voulais d'inventer un jeu magnifique, là, pour le peuple. Ça, on en reparlera. C'est bizarre parce que quand vous avez dit on en parlera, enfin moi j'ai entendu on en parlera pas. Voilà. Mais c'est moi, peut-être je suis fou. Hein. Oh, quel kiff. Oui, bah, on va en référer au duc pour dire que bah ouais, dans 2 mois va y avoir encore une inquisition qui va nous tomber sur la gueule là. Pion. Voilà. Ouais, donc bah au moins vous êtes au courant quoi. Ah bah c'est mieux, tu nous aurais caché l'information en plus. Bah non, mais heureusement que effectivement j'ai été faire un petit peu le tour. Mm-hmm. Vous imaginez si on avait su, si on avait rien dessus de tout ça, qu'on serait rentré comme des fleurs là. Oui. Peut-être qu'à chaque fois que je rentre, de toute façon, je suis stressé. Si seulement il portait mieux son nom, lui. D'ailleurs, il avait demandé à changer de nom. Est-ce qu'on lui change de nom ? C'est possible. Ah bah on va continuer à appeler Tais-toi, ouais. Moi, je pense que ça lui va bien. On va appeler Ferme ta gueule. Ah, c'est pas faux ça. Allons. Au duc, parce que là ça craint. Ouais. Ça pue. Par contre, à chaque fois qu'on va voir le duc, parce qu'il y a un problème. Donc, quand c'est nous qui allons le voir, il fait là, oula. Oula. Bah, après, putain, quand c'est lui qui vient nous voir, c'est pour nous dire des trucs genre, ouais, tu vas combattre 100 000 hommes, je vais en tuer 100 autres. Yo, alors. Demain c'est BR. Tu veux, mais demain. Mais demain j'en suis une gamme, tu fais ce que tu veux, mais. Ok. Du coup, vous arrivez, c'est l'heure du repas de midi, hein, donc vous arrivez à table. Le duc est en train de manger, il dit oh, je vous ai pas entendu, je pensais que vous étiez déjà parti. Excusez-moi, duchesse, vous allez être servi. Oh putain. On a une information de la plus haute importance à vous dire. Oui, ça a l'air grave. Oui. Ouais. On a appris par le père Tais-toi qu'il avait envoyé des lettres aux hautes sphères de la Main Blanche pour leur demander où était le pèlerinage de l'ancêtre, s'il pensait revenir, et quelle était sa mission à lui en attendant. Au sein du Val d'Irel. Au sein du Val d'Irel. Et il envoie des messages sans informer qui que ce soit. D'accord. Haute sphère de la Main Blanche. De toute façon, on le savait que tôt ou tard, ça se saurait, que personne ne verrait l'ancêtre revenir. En même temps, des pèlerinages de 2 ans, ça n'existe pas. Donc, ok. Je pensais pas que ça viendrait aussitôt et encore moins de la part de ce coup. Mais effectivement, il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire. Là, nous, on doit partir là dans la journée et avec cette information en plus, là, ça. Voilà, ça saoule quoi en fait. Oui, je. Enfin, ça saoule. Je comprends ce que vous voulez dire. Ça tombe pas au bon moment. Très bien. Je vais voir pour faire le nécessaire. Ok. Tu peux voir que du coup, il s'essuie la bouche. Il a même pas fini de manger. Il s'essuie la bouche et il se lève. Au pire, on pourra se tenir informé par SMS. Petit papier. Ah oui, vos petits papiers. Désolé, le bon, j'avais pas celle-là. Non, hein. Ah, mais votre petit papier, oui. J'écris tout ce que je veux et je signe votre nom, c'est ça ? C'est ça. Ouais, ok. J'ai retenu. Oui, on fera comme ça et je. Si vous avez quoi que ce soit, vous me dites et. Si j'ai des nouvelles ou quoi, je vous préviendrai. Moi, je ne risque rien. Par contre,
Vous, si vous rentrez et qu'ils sont là, c'est déjà un peu plus compliqué, mais vous avez bien fait de me prévenir, merci. En effet. Bon, je pense qu'on a perdu assez de temps comme ça, là, sachant qu'en plus, on est timé. Il est temps d'y aller, là. Timer est en route. Oui. Messieurs, dames, vous faites vos valises. Je veux tout ce que vous prenez devant les portes de la ville. Un lance-roquette. Alors, hop, moi, je me mets devant les portes de la ville et vous mettez ici, devant les portes de la ville. J'attends de voir tous les PNJ. Hop, vous c'est voulez, moi, je vous les emmène. Donc déjà, on prend Jojo devant. Donc ouais, plus côté Duchesse là. Loubega. Alors Duchesse, Loubega. Toi, tu le contrôles, Loubega, normalement. Oui, il est là. Hop là. Nickel. Le bon, on le prend. Non. Nickel. Bon, allez, s'il te plaît. J'étais content. J'étais content, ce con. T'es content? La digne, mamie. Perdez-moi. Comme ça, on le tue sur la route. Porte-pelle. Mais allez, prends-moi. Oula. À toi, déplace-toi, alors, tu peux te déplacer, hein, mon grand. Oula. Et on avait dit que ça. Hein. Ouais. Donc là, toute l'armée du Haldirel est là, quoi. Non. Pas de capitaine de la garde ni quoi que ce soit. Non. Ils doivent gérer le Haldirel. Mirage, titan, tombe. Bah, je pense que le problème, c'est que la Mirage, s'il va vachement mourir et s'il est mort et que je reviens sans. Moi qui suis mort après. Après, j'ai toujours une vie derrière, mais. J'ai l'impression que tu vois un loup-garou, il y a Cupidon, il t'a tiré une flèche sur toi et Mirage. C'est ouf. C'est ça. Oh, c'est bien. Un peu ça. Oh, bien. Moi, hein. Quoi qu'on fasse, un loup-garou. Non, non. Yeah. Mais justement, comment je le prends pas avec moi et je lui dis, voilà, de bien prendre soin de la ville, de faire attention, d'ouvrir l'œil, que j'ai besoin de lui sur place. Ok. Ok. Il est content de cette mission, même s'il sait très bien que c'est juste pour pas qu'il vous suive. Exactement. Il est pas courant. Ok, donc là, tout ce beau monde est prêt à décoller. Du coup, le voyage. Forcément, je peux pas vous dire vous arrivez sans encombre parce que c'est pourri. Donc on va faire... Hein ? Je cours pour aller arriver. Cours à côté du cheval. Du coup, vous partez... Donc, vous avez quoi comme Tosma ? Parce que vous avez un cheval chacun, forcément. Ouais. Prochain JDR, les naufragés, on fera ça. On fera ça. Ils vous ont conseillé de changer de JDR, les mecs, tellement c'est la merde. Le chat vous conseille. Ça peut être marrant. Okay. Enfin, un truc comme ça. Faire un My Little Pony. Ah ! Ok, je suis Rainbow Dash, je vais vite, je vole. Du moment que le prochain JDR, moi je suis joueur, vraiment, je me laisse porter, ce serait trop bien. Et comme ça, je rigole avec vous aussi. Et je me fous des aventures du MJ. Ce serait trop bien. Ah ouais. Comme ça, je pourrais aussi juger. Non, mais quand on fait ça? Allez, on arrête le Valdirel quand on fait ça? C'est quand vous, les MJ, là? Hein? Moi, mon rêve, c'est déjà de me retrouver joueur avec Pollux. Déjà, je pense que ça me suffira. Le MJ s'arrachera les cheveux, ça va être trop bien. Mais alors, qui stream? Pollux, il stream aussi, ou on fera. Bah après, désolé, mais si c'est pas en stream, je fonce quand même. Hein, désolé. Du coup, il faut me dire. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait 6 chevaux, parce que vous êtes 6 adultes à partir. Oui. Et donc, c'est tout? Vous prenez quoi? Avec de l'or? Vous prenez des vivres? Vous prenez des cordes? Des torches? Est-ce que vous avez un petit inventaire, quand même? Il faut un peu plus de cheval, parce qu'on avait dit qu'on prenait de la bouffe. Ah, donc vous partez avec de la calèche ou des choses comme ça? Bah, effectivement, parce que en fait, on va essayer de consommer le moins possible sur place, si jamais le... C'est affecté. Oui, si jamais c'est infecté, donc on prend beaucoup. Pour ce qui est de l'eau... Y a pas de problème, je peux en créer à l'infini. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, tu as ta fiole qui est bien avantageuse. Oui. En mode Powerland, quoi. Tellement voilà. Cheat. Voilà. Comment t'as mon cheat? Tu veux quoi, toi? Toi, t'as des armes, tu les perds, ok? Bah, ça te sert à quelque chose, au moins. Voilà. Ça, c'est quand même plutôt utile. Donc, pour l'eau. Enfin, évidemment, on en prend quand même sur nous de l'eau, mais... Voilà, c'est parce que si jamais ma fiole... Oui, mais voilà, on a ça.
En termes d'équipement, bah voilà, l'outillage classique, hein, tout ce qui est de la corde, de quoi grimper et tout à des endroits, de corde okay. Tout ça. Ouais. Si jamais il faut grimper à des trucs. Ensuite, après tout ce qui nécessite, en fait, tout ce qui est potion nécessaire de soins, c'est travail de Mamie Irel en fait. Mamie, elle a dit qu'elle avait besoin de plantes parce qu'elle avait vraiment. Donc du coup, on a que de toute façon, ce sera sur place. Ça. Ok. Voilà. Donc on va faire des torches évidemment. Du nécessaire pour écrire, pour envoyer les papiers. Moi j'ai mes armes, donc j'ai mon arbalète, j'ai mon fouet de feu, j'ai une dague. Et puis c'est à peu près tout. Je réfléchis là comme ça. Voilà. De l'argent évidemment, toujours. Moi je me sens que j'ai de l'argent. Et puis voilà. Donc vous sortez avec les carrioles et tout ça, blabla. Avec le loup, Nani. Est-ce que j'avais prévu ça? Est-ce que j'avais déjà déplacé le personnage en mode est-ce que je savais qui vous allez prendre? Peut-être, peut-être pas. De rien. Alors. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas regardé dans mon grimoire. Je me souviens plus ce qui a marqué la dernière page. Oh putain! Alors là, tu m'en demandes trop. Ah, il y avait écrit. Tu devais. Corrompre les mecs et monter ton culte pour pouvoir choper tes sœurs. Non, je crois que c'est tout. Donc tu prends ton grimoire et ta dague. Il faut que je te fasse la nouvelle phrase de ton grimoire. Donc je pense à ça. Je te mettrai une nouvelle phrase si j'y pense cette semaine. Parce qu'en soi, t'en as tué deux, c'est ça? Oui. T'en as tué deux. Toi, t'es une sœur. Oui. Donc du coup 3. Même Mireille, ça fait 4. Donc ça veut dire qu'on a encore 3 à trouver. Non, il y a celle des gobelins. Oui, mais à trouver et à tuer, c'est ce que je veux dire. Mais non. D'accord. Je réfléchis si vous savez ou pas. Oui, vous le savez. Il en a tué une. A priori, il est indigne. Je me souviens plus. Si, parce qu'il a dit que il s'était fait voler l'âme d'une de mes sœurs par celle des gobelins. Mais du coup, ça compte ou pas? Il m'a dit qu'il avait fait ça pour. Ok, donc plus que deux à trouver. Ouais. Ok. En soi, c'est pas non plus si chaud que ça, en vrai. En vrai, okay. Ouais. On a fait le compte avec la duchesse. Sauf que celle des gobelins, elle a déjà récupéré l'âme de celle qui l'a tuée. Ah, chiant. Voilà. Relou. Elle est un peu plus forte que ce qu'elle n'est déjà, alors qu'elle est déjà bien forte, si on se souvient bien. Mmh. Ouais. Et l'autre, a priori, ce serait celle qui aurait ramené le bon à la vie. Celle que je cherche. Exactement, celle qui a aidé. Ça, c'est la dernière, je crois. Mmh. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce qu'il y a la duchesse, mamie, pour les nommer. Duchesse, mamie, agonie. La régente, celle de la caverne, celle qui a... été battue par Nadine, qui a été récupérée par celle de la caverne, et celle qui a res... celle qui a res... Pollux. Ok. Qui est venue voir la duchesse. Ok, donc les deux dernières sont particulièrement balèzes, quoi, normalement. Il y a moyen que les deux dernières soient les boss finales des internets. Ok. Carrément. Ouais, effectivement. Du coup, ça, c'est tout bon. Ouais. Pas d'autre? On est parti? On est parti. Alors, messieurs, dames, ni plus ni moins que maintenant, enfin, le départ, on n'a pas menti, c'était aujourd'hui, on change de main. Mais t'es temps. J'explique à mon loup où on va. C'est faux, ça. C'est faux, ça, pourrait se s'appeler comme ça. Ah oui, non, je suis con. Oui, con. Normalement, vous voyez cette map. Oh!
Vous, vous êtes idiot là-bas, tu sais quoi, casse-toi. On reprend. Vas-y. Ça, c'est les faux, nous. Ça, c'est les vrais, nous. Le feu est vachement grand, les gars. C'est terminé là sur un clip. Fatigué. Il commence à couler. On va se faire un petit cliffhanger en ennemi. Ça va faire une bonne semaine et demie que vous êtes à cheval. Vous êtes dans un petit coin. Ouais. Vous voyez que la verdure, du coup, se fait de plus en plus abondante, comme vous le prouve cette map. Effectivement, vous avez peut-être un peu mal au huc. Ah ouais, elle est grande. Ah ouais. J'aurais été très grande là-dessus. Wow. 2m10 minimum. C'est ce que Ah, bah oui, c'est la grandeur. Une grande dame. Une grande dame. Du coup, donc la verdure est de plus en plus abondante et pour le moment, pas de signe de corruption, de fêle, t'appelles ça comme tu veux. Pas de signe de détérioration de la nature ou quoi que ce soit. D'accord ? On est vraiment sur. Sur de la belle verdure, c'est bien verdoyant et tout. Vous êtes au milieu de ça, vous entendez les animaux, c'est la nuit, vous avez fait votre petit feu de camp, vous vous mettez un peu comme vous voulez. Hein. Je vous remets juste un peu à l'échelle. Voilà, ça a l'air bien comme ça. Donc là, il y a les petits lits et tout. C'est vous qui me dites comment, qui est placé quoi, hein, si jamais il y a des choses qui ne vont pas. Et bim, bam, boum. Voilà. Est-ce que vous avez des envies, des besoins particuliers? Rien. Pas spécialement, je crois pas. Ok. Du coup, vous êtes dans un feu de camp. Et qu'est-ce que vous êtes balancé pendant une semaine et demie? Est-ce que vous avez discuté avec, avec l'indigne, avec mamie, tout ça? Est-ce que vous avez fait des choses ou pas? Il me semblait que l'indigne était un peu maudit, c'est ça? Du coup, je lui demande, moi, du coup, il voit des trucs? Est-ce que il va pas bien? Est-ce qu'il fait des cauchemars? Tout ça, quoi. La digne, du coup, te regarde et tout. Bon, je le vends pas, je dors très très bien. Là, t'as rien, parce que quand même, tu m'avais dit qu'apparemment, ouais, le... quand t'es connu sans âme, te marque ou quoi, c'est pas anodin. Hein. Comment ça? Tu m'avais expliqué que quand on était à la caverne, la sans âme. La sans-âme qui était du coup encore en vie, elle t'avait pas marqué? Il n'y avait pas eu de soucis? Elle lui avait volé quelque chose. Oui, mais c'est uniquement... on s'entend. Est-ce qu'elle lui a volé uniquement le truc en question? Ou est-ce qu'elle lui a aussi appliqué une marque ou quoi machin? Est-ce que... Je pose la question, tu vois. Ah bah alors là, non, je ne crois pas. Et du coup, ouais. Il se tourne vers mamie et dit non, je n'ai rien vu de tel. Oh bah c'est... Franchement, c'est très bien. Parce que moi, à chaque fois que je croise une sans âme, ça s'est mal passé. Hein. Donc, je te dis, hein. C'est très bien. Ça dépend laquelle tu croises, je suppose, mais non. Je croisais même que la sienne. Il ne s'est absolument rien passé. Ok, bon, bah écoute, on met ta bonne nouvelle, très bien. Moi, je prends un peu l'état de tout le monde quand même, parce que, Morsepel, elle avait l'air. Un peu pas bien psychologiquement. Mamie Irel avait l'air un peu aussi un peu bizarre. Je vérifie un peu l'état de tout le monde, tu vois. Mortopel, tu la vois que là, c'est la nuit, donc elle a enlevé un peu ses vêtements, elle s'est changée. Tu vois. Ouais. Et au moment où elle se change, elle se met de dos, forcément, à un minimum, tu vois. Mais ce que tu constates, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup de cicatrices. Oui. D'accord. J'ai l'impression qu'elle fait peut-être des expériences avec son nouveau L. Voilà. Mamie, elle est là, elle pète le feu. Elle a déjà ramassé quelques plantes les plus basiques, hein, bien sûr. Elle a déjà fait un peu de cueillette autant qu'elle le pouvait. Et la djinn, tu discutes avec lui, tout va bien. Super. Voilà. Je demande... Vas-y. Moi, j'aimerais bien demander à mamie... Voilà. Est-ce que c'est possible que... Bien sûr, quand l'illuminé n'est pas juste à côté. Ouais. Pardon, pas l'illuminé. Aussi. L'indigne. Ouais. Est-ce
que c'est possible qu'il tue une sans âme et qu'après il me donne son âme? Alors mamie te dit que effectivement c'est faisable, oui. Oui. Comme toi tu as réussi à l'enfermer dans cette pierre précieuse, tu peux très bien le faire à sa guise. Ok, je voulais savoir si c'était possible ou pas. C'est possible. Mais qu'on soit clair, si par exemple, bah, la situation fait que c'est moi qui tue à sans âme, par exemple, c'est foutu ou pas? Non, je peux toujours l'absorber. Oui, donc ça va, c'est pas un problème, d'accord. Ok. D'accord. Bon, c'est pour savoir, hein, si jamais. Hein. C'est pas, c'est... Oh, ok. Très bien. Très bien. Et je demande aussi, est-ce qu'il y a un entre vous qui est déjà allé du coup à Beaujardin? Vous connaissez? Oh oui, moi j'y ai été plus d'une fois à Beaujardin. C'est un endroit exceptionnel. Moi qui adore les plantes et la botanique, c'est vraiment un endroit que je conseille à tout le monde. Mmh. D'accord. C'est très très agréable. Vous auriez une idée sur... Est-ce qu'un d'entre vous aurait une supposition sur ce que seraient ces créatures, du coup? Alors là, non, pas du tout. Ce que sont ces créatures, ouais. Ça a l'air d'être une sorte de mélange entre malédiction et quelque chose de... Je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai vraiment l'impression d'avoir reconnu comme un mal qui ronge les plantes, mais sans pour autant être sans âme. J'ai l'impression qu'il y a une haine à l'intérieur, comme si la nature elle-même se rebellait. Ah. D'accord. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça ressemble un petit peu quand même à des parasites, non? C'est oui, vrai. On dirait une sorte de... Oui, oui. C'est ça, hein? Oui. C'est un peu ça, effectivement. Oui, comme un truc. Quelque chose de plus énervé. Oui. Ah bah, qui aimerait un humain, quoi, mais genre de façon énervée, quoi, effectivement. Ok. Mais non, mais vous voyez, il y a des parasites sur les plantes, on peut les traiter, ou des fois, ça tue la plante, d'accord. Mais là, c'est quand même quelque chose d'assez... radical et assez impulsif, j'ai l'impression. Ouais. Donc, je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais ça peut être compliqué. Ouais. Et tu me tournes vers l'indigne, je me demande, t'as déjà vu ça, toi? Un truc comme ça? Je regarde, il hausse un peu les sourcils, il hausse les épaules, et... Non, ça me dit rien, ça. Tu sais, les fadas... Moi, je m'y connais pas trop. C'est pas que c'est pas quelque chose qui m'attire, loin de là. Je pense que c'est eux qui ont raison, avant tout. Tout est sacré sur cette planète, hein, sans pour autant devenir un fanatique. Mais je connais pas grand-chose sur les fadas. Là, je fais... Ah, c'est presque une possibilité, ce que tu racontes. J'ai entendu dire que, avec les fadas... Lorsque tu utilisais tes pouvoirs pour tuer ou que tu utilisais le sang avec ta magie fada, ça pouvait avoir des conséquences dramatiques. Peut-être que c'est genre, imagine un fada ou un culte fada qui a fait un truc interdit. Et c'est passé ça. Ah bah écoutez, si maintenant ça pourrait se tenir, hein, si maintenant je sais pas qui gouverne au jardin, mais effectivement, s'ils ont fait des choses interdites envers leur divinité, effectivement, ça pourrait être une sorte de punition. Punition divine. Peut-être une possibilité. Très bien. Bon, alors, du coup, les tours de garde, comment on fait depuis le début là, de cette semaine là? Bon, ça, c'est vous qui voyez. J'imagine que ça va pas en faire. Donc, du coup, on a qu'à séparer ça. Alors toi t'en prends pas, toi t'es nul, bah il reste moi et lui. On est deux. Peut-être quatre, hein. Toi le bon, l'indigne et Mortepelle, j'ai de quoi faire, non? Ouais, donc on fait quatre cartons et puis c'est bon. Ok. Et je commence, ensuite ce sera le bon Mortepelle et l'indigne. Ça vous va? Ouais, moi ça me va. Ok. Et c'est parti.
le bon, la digne, Mortepel. On va faire le premier tour de gare, 22h40. C'est moi. C'est parti, c'est Jojo. Alors, hop. Hop, ça c'est au dodo. Toi tu prends le ça, et la duchesse elle va là. Mamie elle va là, et lui il va là. Voilà, c'est arbitraire. Décidé. Donc, mamie et la duchesse sont dans la tente. Et pour faire ça bien, il va se passer des choses. On va masquer la tente, l'intérieur. Je sais pas ce qui se passe dedans. Et ouais, c'est une tente, les gars. Bah ouais, c'est RP ici. Hein. Ah ouais, ah des oui. Os, pas des os. Hein. Bah fout. Ouais. Je mets le feu à la tente comme ça on voit. Oh, elle s'est fait fou. La caisse a été floutée. Hop. J'étais en train de m'imaginer si jamais, par exemple, la duchesse, sans faire exprès, se TP, ça va être oh, l'enfer. Waouh, imagine le temps que t'attends qu'elle revienne. Oh bah j'y vais plus. Oh flemme. Oh gros flemme. Elle nous ouvre un papier, démerdez-vous. C'est grave. Meurs, s'il te plaît. Non, revenez, j'en ai marre, on y va plus. et n'hésite pas à me ramener une âme sans âme, si jamais. Hein. Rentrez, qu'il crève. Point. hop. Du coup, Jojo. C'est ton premier tour de garde, ça fait une petite semaine quand même, ça commence un peu à tirer sur les paupières. Tu vas me faire un petit jet de constitution. Résistance au sommeil. Il est facile, c'est le premier. Le premier est facile. Merde. 14. Ça passe pas ? Olina, je relance. Ah le bâtard. J'utilise ma chance. Ok, utilise ta chance, ton talent Olina. Voilà, c'est 20. Si je forge, je m'endors tout de suite. J'ai raté, putain de merde. All-in, ça veut dire que si tu loupes, c'est un échec critique, c'est ça ? Échec critique, je m'endors tout de suite. Voilà. Donc, Jojo vous dit, vous inquiétez pas, allez dormir, je prends le tour de garde. Et à peine vous posez, vous fermez les yeux, que ces limites s'y ronflent pas avant vous, mais vous en apercevez pas. Grand bien. Merci, Jojo. Lui fasse, car... Jojo, tu prenais combien d'heures ? Bah, un quart. Donc, je sais pas à quelle heure on dort. Hein. Donc, on va dire à la tombée de la nuit, donc allez, il était 21h. Ça fait jusqu'au lever du soleil, 8h, alors on va dire. Allez, il y a 11h à couvrir. Ok, bah un quart temps, donc on... À peu près 3h, quoi. Ouais, 3h, quoi, à peu près, quoi. Ok, tu vas me faire un jet de constitution pour essayer de reprendre tes esprits, parce que, bah, quand même... Oh, fais-moi un G. Si tu fails. Oh, non, je n'arrive pas. Ça se tombe bien. Ok. Gros dodo. Tu refais un G. L'ultime G. Si tu fails, ça va être énorme. Là, c'est bon. 3. Tu te réveilles d'un coup en sursaut. Putain. Tu t'es endormi. Ok. Je regarde autour de moi. Bon, est-ce qu'ils ont l'air en vie ? Les deux là, non, ils sont déjà morts une fois, donc non, ça compte pas. T'inquiète. Ah. Les trois. Il m'a entendu. Ah oui, ça. J'entends une voix. Les trois, ils sont... Ah, okay. Non, mais je dors. Je dors. J'ai rien entendu. Ok. Qui tu réveilles, du coup ? J'avais dit le bon. Je réveille le bon. C'est parce que j'aime bien le réveiller. T'avais pas dit Ladine dans l'ordre ? Jojo, Ladine, le bon... Non, c'était moi d'abord. Ah, ok. Vas-y, le bon. Fais-toi réveiller. Je dis le bon, je me tourne vers lui. Proche de lui et je lui dis... Le... Le truc ball. Le truc ball, le bon. Le truc ball, ouais. On nous attaque, le bon. Quoi ? Non, je déconne. Allez, je vais me coucher. Ouais, quel connard ! Je vous une tarte. Ah, yo ! C'est pour ta connerie, ça. D'accord. Je suis mon rugball. Ok. Du coup, hop, tu te lèves, tu te mets là, et Jojo se met au lit, et tu peux voir qu'il tombe, mais facilement. T'as l'impression qu'il est éclaté, le mec. Tu vois ? Et en regardant la lune, tu dis... Mais, pas possible. Combien de temps il m'a réveillé, là ?
T'as l'impression qu'il a pris à plus de boîtier de nuit, tu vois. Mais bon, tu es là, donc du coup, c'est toi qui montes la garde ce coup-ci. Et tu vas me faire un jet de constitution. Bon, t'as 15, frérot, tu vas réussir. Hein. Ouh j'ai vu le 19, ouais. Ouais, j'ai eu peur. Tu es bien réveillé quand tout à coup, tu vois quelqu'un apparaître. Il y a une personne qui marche au loin et qui se ramène vers le feu. Pardon. Du coup, c'est normal qu'on entende ou pas ? Oui, 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 c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, il va forcément gueuler ou vous réveiller. Oh, c'est carte de rive. C'est par là. C'est par là. Tu entends les feuilles qui s'agitent un peu plus et les bruits de pas. Bah, je me retourne du coup vers... Tu te retournes vers là. Ils toussent. Ouais, ouais. Il y a tout le monde qui tousse sur moi. Tous les personnages en ce moment. Et du coup, tu vois cette personne devant toi. Je dégaine mon bec de corbin quand même au cas où. Tu dégaines ton bec de corbin. Il arrive d'un pas sûr vers toi et il te dit « Oh là, non, tu n'en feras rien, ce n'est pas la peine. Ne t'embarque pas là-dedans, je viens juste me réchauffer auprès du feu. » Tu peux voir que cet homme a deux épées. Mais non. Dans le dos. Il a une dague à... Enfin, une dague, un bon couteau, quoi. Un bon truc assez long à sa ceinture. Et il a l'air d'être sûr de lui. Il est en armure de cuir. Il a l'air très sûr. Il a des cheveux longs, blancs. Et il avance comme ça. Si tu as dégainé, lui, pas du tout. Et au moment où tu dégaines et tu dis « Qui va là ?» Il te dit « Non, non. » Tu n'en feras rien, ce n'est pas la peine. Laisse tes amis dormir, je viens juste profiter de ton feu. Je viens de me faire attaquer par une créature. J'ai... Oh, pardon. Il te pousse pas. Je viens de me faire attaquer par une créature. Je viens me réchauffer, j'ai perdu mon équipement pour allumer un feu. Merci. Et il s'assoit, littéralement, sur une pierre, à côté du feu. Est-ce que je peux voir sur son armure un signe distinctif d'un clan? Aucun signe distinctif. Est-ce qu'il a l'air blessé? Est-ce qu'il a des marques de combat Tu vois qu'il est sale. Qu'il est sale, hein, il est pas propre du tout. Il est couvert de boue et tout. Pas un pécor. Non. Son attirail pète la classe, surtout ses épées. Elles ont l'air d'être de bonne facture. Et il est là. Plein de prestance, mais sale. T'as l'impression que vraiment, il a pas hésité à ramper, se rouler un peu dans la boue, il s'est un peu passé un coup sur lui vite fait. Mais là, t'as l'impression qu'il a vraiment besoin de se réchauffer. Il vient juste profiter du feu, quoi. Il est assis, il te tourne le dos, il est tranquille. Quoi. Ok. Je m'approche un petit peu, mais je reste quand même à distance... de lui, hein, on ne sait jamais. Je lui dis... Je ressens les pulsations de ton cœur, tu es craintif. Je te l'ai dit, tu peux poser tes armes. Tu ne crains rien, tu es avec moi. Oui, bien sûr, mais je ne vous connais pas. Et mes amis sont endormis. Pas besoin de me connaître. Tu vois bien que mes armes sont rengainées. Si j'avais voulu te tuer, je t'aurais pris ma surprise. Installe-toi, profite du feu. Qu'est-ce qui vous a attaqué ? Une créature. Avec des sortes de grosses épines. Face des mains. Qu'est-ce qui se passe ? Mais le mal rôde ici. Ah, pas loin d'ici. Ouais, j'allais vous demander si c'était loin d'ici. On va faire quoi ? Bonne heure que je marche ? J'ai terminé ce combat, que j'ai perdu mon sac. D'ailleurs, mon cheval aussi s'est enfui. Je ne le retrouve pas. J'ai vu de la fumée. Je suis venu. Vous venez d'où comme ça? De l'Est. Plus loin à l'Est. Je me rendais à Beaujardin. J'avais besoin de plantes. Ah ben c'est justement là où on souhaite se rendre avec mes compagnons. Ah! Vous m'envoyez ravi. Jamais vous souhaitez que
accompagne, je dirais. Oui. Vous voyagez seul ? Je préfère. Enfin, non. Je préfère être seul, mais je suis toujours avec mon cheval. Et là, ça m'inquiète, car je ne l'ai pas retrouvé. J'espère qu'il lui est arrivé. D'accord. Quel est votre nom ? On m'appelle le sorcier. Wow. Il l'a dit. Et tu dors, toi, ta gueule. Non, mais je suis endormant. Très bien. Je me nomme Benjamin Lebon. Benjamin Lebon. Enchanté Lebon. Enchanté. Je sais pas quoi penser de ce personnage. En tout cas, je le garde bien en visu. Oui, je vois que tu... Donc, il reprend. Je te sens encore craintif. Et au vu de ce que tu viens de me dire et de ta réputation, je peux te le dire, tu ne me battras pas en duel. Alors, soit tu réveilles tes amis, tu dis qu'il y a un assassin ou quoi que ce soit, tu le justifies comme tu veux, et on se bat, soit viens t'asseoir, c'est ridicule. Je n'ai pas l'intention de me battre avec toi, sauf si c'est vraiment nécessaire. Alors regagne tes armes, installe-toi, on discute. La nuit passera que plus vite. Je suppose qu'il reste au moins une personne qui va prendre la relève. Tu verras que j'aurais pas bougé et que je veux juste me réchauffer et me reposer un peu. Et que je serai sec, je partirai à la recherche de mon cheval. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le sorcier ? Comme ça. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le bon ? C'est mon nom de famille. Mais les sorciers, c'est pas des gens qui ont certaines aptitudes à trouver de l'eau ? Exactement. Mais pourquoi je rigole? Je sais pas. C'est... Tu es fatigué, le bon. Va t'asseoir. En fait, moi j'essaie d'imaginer Gérald Dory avec le bon. T'es un sorcier? Tu trouves de l'eau? Oui. Assieds-toi. C'est mon nom de famille. Quoi ? Le bon. Ah. Mélalgir. Zimbabwe. J'ai vu des traces là-bas. Encore fraîches. Non, en tout cas, c'est, ça doit être vachement pratique de savoir trouver de l'eau. Non mais c'est vrai en plus. Bah oui, on... Du coup, la retourne à Barbon. Grand bal, mon mec de Corbin. Ah, il a mis une heure, mec. Oh, waouh, c'est... Ah, le PNJ de Skyrim derrière, comme ça. Putain. Ah, si seulement j'avais pas pris une flèche dans le genou, je serais venu m'asseoir. Du coup, je me mets à côté du feu parce qu'il fait un peu froid. Hein. Bah oui, 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 c'est, ouais. Ça fait une heure qu'il t'a proposé de venir t'asseoir. Mais vas-y, t'inquiète. Ce que tu veux, hein, c'est toi le chef. Hein. Ouais. Ah. Tu peux voir que, du coup, il est là, il tape ses poches. Il dit bah oui, non, je suis tout perdu. Je suppose que t'aurais pas un morceau de viande ou quelque chose. Sur moi, non, attends, je regarde dans mes poches. Non,
J'ai pas de nourriture sur moi, mais je pense qu'on a, on a pris des vivres de toute façon. Désolé, j'ai pas de monnaie. Attends. Le mec, il cherche dans sa poche un bout de viande. Ah mais gros, mais en fait, dans ma tête, j'ai ma chemise, mais c'est mou. dans ma tête, il y a un singe qui avec les cymbales. Oui, on a la... je veux dire, on a la nourriture. On a de la nourriture, je pense. Le mec, il t'a lancé un regard, tu sais, il a dû hausser les sourcils et dire, ah ouais, la réputation, elle est fondée. Hein. Moi, je pense qu'il va regarder, il te regarde et te dit, on est d'accord, c'est pas toi le chef. Non, mais rassure-moi. Bah écoute, je vais au niveau des rations et je lui fournis un... Bah de quoi se substanter rapidement. Quoi. Ok. Un saut de pain, hein. Ouais, ok. Nickel. Du coup, il récupère ça et... Merci. Mais du coup... C'est qui est à la tête de cette expédition? Il me capte. Il a changé de canal. Non, mais je réfléchis, ok. C'est pas facile, hein. Ah oui, bah je vois ça. Mais on est en RP, frère. T'es pas censé mettre des blancs de 3 jours. On est pas sur une sitcom RTL 9. T'as le choix, tu peux dire Jojo, lundi, on t'appelle le loup. Non, en fait, dans ma tête, je me suis dit, bah, en vrai, c'est la duchesse du Valdia, c'est la plus haute gradée. Oui. Mais je vais pas lui dire, parce que si il est là, genre c'est un assassin, qu'il a, tu vois, on sait pas, je vais pas lui dire, bah, je suis avec une duchesse et tout, puis, tu vois, et après je me suis dit, je vais dire que c'est moi, mais il va pas me croire. Je pense que tout le monde se réveille et tout le monde fait genre, non. Excusez-moi, j'entends une connerie là. Il ment, mais vous êtes qui? Oh putain! Duchesse, si tu veux te réveiller à intervenir, tu peux. Vraiment, hésite pas. Bah, je sais pas, c'est dur là quand même. Ouais. Non, mais ça fait une demi-heure, j'ai dit on arrête, j'aurais dû arrêter. Du coup, attends, on retente. Du coup, qui est à la tête de cette expédition? Disons qu'il n'y a pas vraiment de chef, on a un groupe venant du Val d'Irel. N'importe quoi. Ah, on est du Val d'Irel. Donc il y a certainement la duchesse qui est là. Ok. C'est mieux que toi qui es le chef. Vous savez que, elle, comparée à vous, sa réputation n'est plus à faire. J'en suis ravi. Apparemment, son dernier fait d'armes est d'avoir libéré les mines de l'île Obani. Grâce à elle que tout le monde a pu retrouver des minerais. Elle est connue quatre coins du monde. Ouais, tout à fait. On était présents lors de cette expédition. Comment elle a pu s'accabler d'un bras droit comme vous, avec votre réputation? De là, si elle est fondée, je sais pas, mais... prime abord, là, vous m'avez l'air un peu décontenancé. Je n'ai que faire de ma réputation. Tout ce qui m'importe, c'est que la duchesse aille bien. Et je la sers de mon mieux à ce but. Vous êtes encore là, c'est que vous y arrivez. Au diable la réputation. Vous avez raison. Mais c'est quoi votre plus grand fait d'armes à vous? Tu es un golem de glace avec un caillou. Je savais qu'il allait dire ça, putain. Donc la légende est vraie. Très bien. Je vais m'allonger un peu, ça vous dérange pas. Tu peux voir... Une question avant de... Ouais, tu peux voir qu'il prépare, qu'il rassemble un petit tas de terre, histoire d'avoir une sorte d'oreiller. Il se met proche du feu. Et il s'allonge, il regarde les étoiles. Dites-moi. D'où venez-vous? De la cité. Ouais, mais quel est le nom de la ville? Je n'ai pas connu mes parents. Je viens d'une ville très très lointaine dans le nord, là où les neiges sont éternelles. Ouais, ça s'entend à votre nez. Ouais. Wow. Non, ça, le MJ est enrhumé depuis 3 semaines, putain, on guérit pas ici. Ok,
Et là, il attaque. Oh putain. Très bien. Je vous laisse vous reposer. Merci bien. Du coup, la nuit se passe. C'était le dernier événement. Tu passes le flambeau à Mortepelle, qui regarde la lune et qui fait... Vous êtes endormis, les mecs, c'est pas possible. Alors que le soleil se lève, il doit rester une heure et quelques à tout péter. Non ? Moi, je dors, je sais pas. Bah, je sais pas, j'ai pas besoin du temps quand il fait nuit. Ouais, allez. Tiens, prends ma place. Elle arrive. Ouais, avant de... Oh putain, mais c'est qui, lui ? Bah justement, on a eu une visite cette nuit. Une personne qui apparemment a rencontré les bêtes que nous allons affronter à Beaujardin. Hein ? Et il s'y rend, justement. Donc, il a pas l'air méchant. J'ai discuté un petit peu avec lui. Ok. Garde là l'œil, on sait jamais, mais... Ouais, je le gardais à l'œil. Il nous connaîtrait. D'accord, allonge-toi, prends ma place. Tu te mets à peine dans son pajot qu'elle tape du pied la digue. Elle dit, allez, la digue, c'est à ton tour. Lèche-toi. Du coup, la digue se lève, regarde la lune, dit, ouais, je prends, mais à mon avis, le soleil se lève, oui, dans une heure, je sais, quelque chose comme ça. Et du coup, l'indigne est là, il regarde, il dit, bah attends, c'est qui lui ? Il dit, oui, je sais pas, c'est un pote à Lebon. Putain, le rôle. Et du coup, l'indigne se met au coin du feu, juste ici, et la nuit se passe. Moi, j'aimerais beaucoup avoir une discussion entre les deux. J'ai pas connu mes parents. Ah ouais ? Et bah le mien me battait. Okay. Et bah mon père adoptif m'a lacéré. Ah pas ouais ? Et toi, t'as ça et t'es genre ils montent dans le duel de qui a la pire qui a la pire vie, qui a la pire vie de merde. Et bah ma mère m'a sacrifié pour me redonner la vie. Elle s'est entraînée sur moi après avoir aspiré mon âme. Ah ouais, bah moi j'ai pas d'âme depuis que je suis né dans le démon. C'est les mecs qui font d'âme. C'est les deux gamins de 8 ans. Ah oh, putain. Du coup, c'est le matin. Hop. Et je vous le dis, si je suis pas plus en forme la prochaine séance, je la saute. Hein. J'en peux plus. Et moi, je me réveille, j'ai bien dormi, moi. Du 11 à 20h30. Effectivement, c'est le matin dans le camp de Beaujardin. Ouais. Et tout le monde est content. Alors là, franchement, ouais. Frère, bon, avec 2 T, allez, on y va, on lâche tout. Tellement on est content, on met 2 T. On est content. Ouais, j'ai mis du content. Non, voilà. Ah, quel bonheur. Non, vous m'avez changé les idées parce que j'avais putain de mal à l'estomac et tout, ça fait du bien. Bon, quand je vais couper, ça va revenir comme un coup de pied dans les burnes, mais c'est cool. Du coup, ce sera le matin, donc vous serez avec le sourcier qui va se réveiller en même temps que tout le monde. Vous pourrez discuter. C'est un peu plus que le bron à voir. Hein. Alors, comme ça, vous êtes sourcier. Trouvez de l'eau. Ouais. Moi, je peux ancrer. Et toi, tu peux faire ça ? J'ai détecté ta fiole à 5 km, c'est pour ça. Donc voilà. Oh la vache, j'en peux plus. Messieurs, dames, il est 23h, je suis éclatax. Merci de votre bonne humeur. Désolé, Duchesse, pour ce genre de séance. Les prochaines seront meilleures. On perdra moins de temps avec des débiles. Et puis ben voilà. Merci le chat, en tout cas, le chat qui balance des dingues. Choquer le Rodagald et tout, ça balance des grosses stacks dans la gueule, c'est trop bien. Mais franchement, c'était bien. Je me suis bien barré. Du coup, on se dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Et là, bah, du coup, il n'y a plus de frontières entre vous et au jardin. C'est le petit event. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je vais voir, je vais réfléchir suivant ce que vous faites de ce pauvre sourcier. Je pensais que ça irait un peu plus vite, mais bon, du coup, je ne suis pas trop sur quoi partir. Mais voilà. En tout cas, beau jardin vous attend. On verra ce que vous en faites. Et du coup, ça va être de la découverte, du combat, forcément. Et à celui qui trouve la meilleure des solutions. Ça marche ?
Du coup, des bisous à vous, la bonne nuit. Et si vous êtes en vie, et si je suis toujours en vie, on se voit la semaine prochaine. Si je suis pas plus en forme, je parle toujours du nez et tout, je n'hésiterai pas à annuler, je vous préviendrai le plus tôt possible. Ouais, c'est pas non plus du mal. Hein. Ça marche ? On va essayer d'être reposé. Hein. Allez, des bisous, à la semaine prochaine, merci à tous. Ciao, ciao. Yes. Salut tout le monde, salut. Salut. Oh, c'est trop éclaté. Ah, qu'est-ce que je kiffe. Quel bonheur. Allez, des bisous à tous. Ciao, ciao, à la semaine prochaine, Grand Max. 2 semaines.